Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 19 de Roll les Dés. Tellement hâte d'arriver à cet épisode-là. Là. Ouais, hein? La dernière, là. Wow! Là, je m'excuse pour tout le monde qui ont fait des plaintes cette semaine. Mais il faut qu'on fasse un show avec ça. Puis, c'est ça, fait qu'il faut que je coupe à des moments pour donner le goût au monde de revenir. Ça s'appelle, c'est ça, aller à la pêche. C'était chien, mais tu sais, écoute! Chien. Mais c'est légal. C'est légal, puis tu sais, si on se ramasserait avec 10 000 auditeurs par semaine, peut-être je me sentirais moins obligé de le faire, d'être moins sensationnel, tu sais. Fait que parlez-en à vos amis, sharez, partagez. Ceci étant dit, parlant de partage, GF, veux-tu nous parler de Noir d'Abysse? Oui. Marianne, je vais faire ça rapidement parce que j'ai hâte d'arriver. Ah, toi aussi? Ben oui, Noir d'Abysse, beau costume, pas cher, intéressant. Facebook, Noir d'Abysse, merci. Trois semaines avant l'Halloween. Le temps, c'est court. Sur ce, on va passer à l'intro. On se revoit tout de suite. À tout de suite! Avec Artemis qui a peur de céder. Posséder. Donc, on va faire un petit moyen recap. Puis on va commencer avec un flashback parce que je me suis fait dire que j'avais oublié de laisser du temps à Madeleine de parler au groupe avant de partir sur Hugo. Puis bon, moi j'avais comme Flair qui me poussait dans le cul, qui voulait aller voir ce qui se passait avec son père. Fait que j'ai essayé de faire de quoi, puis ça a l'air que j'ai pas été correct. Fait que je m'excuse. Donc, on va laisser le temps à... Mais je vais faire mon super recap. Donc, la semaine passée, notre groupe s'est rendu à la fontaine, au village de Fontaine, pour sauver, dans le fond, les villageois qui vivaient autour. Et ce faisant, pendant que ça se passait, Zesmé a décidé de rentrer en contact avec son patron, Raziel. Et on croit, on n'est pas sûr, que Raziel a pris forme sur le plan matériel pour venir parler à Zesmé. Et il lui a expliqué son rôle, pourquoi il l'avait choisi dans le fond, puis quel était son rôle. Il lui a aussi expliqué que les visions qu'il avait, il n'y avait rien qui pourrait les empêcher. Tout était déjà en cours, puis que son devoir à elle, c'était de s'assurer que les gens avec qui elle travaille ou avec qui elle est présentement accomplissent leur destinée. Et que ce faisant, si Cassius prenait le bon chemin, si Squeak acceptait la destinée que les filles lui ont confiée, si Artemis devenait l'homme qu'il devrait vraiment être, si Flair acceptait et prenait sa position, et si Kaizo retournait où tout avait commencé, que la
seulement à ce moment-là, est-ce que Sycophore aurait une chance de survivre et que Zesmé aurait la chance de se venger pour les mâles qui ont été faits quand elle était petite. Donc, je vais commencer donc avec le flashback. Donc, on rewind un petit peu avant l'arrivée à la Gonville où Zesmé va expliquer ce que Raziel lui a raconté au groupe. Et après, on va revenir à devant le crucifix avec le mâle qui est après poigné. Donc, Zesmé, c'est à toi. On retourne à... Tout le monde s'en va. Est-ce que tu m'as dit que tu voulais faire? Là, ouais, parler ben au groupe avant de partir. Ben, vas-y. Tu nous as tellement pitché dans les charrettes. Ok, c'est correct. Je me suis déjà excusé. On passe à autre chose. Non, ben c'est ça. C'est que moi, je voulais les attendre. Ben, dans un sens, j'aidais à préparer les charrettes et tout. J'avais pas vraiment dormi. Je m'étais pas vraiment reposée. Mm-hmm. Puis quand tout le monde est arrivé, c'est ça. J'ai attendu qu'on se regroupe pour leur dire que j'avais callé, j'avais appelé Raziel une deuxième fois, puis expliquer que j'avais vraiment vu, qu'il m'avait expliqué c'était quoi la destinée de chacun et que c'était pour ça, c'était comme ça que j'allais avoir ma vengeance. Et la destinée de chacun. Mm-hmm. Non, lui, il n'y a pas de destinée. Ah non, il y a une destinée, il est destiné à... Ben, il faut que tu trouves, il faut que tu assumes ta vraie nature. Je suis très gros que je vais travailler ses chevaux. Littéralement, il remet de mort, vous en va. C'est bon? Alors, Artemis n'est pas là quand on revient. il y a juste, comme vous étiez en caucus, elle explique ouais. Ça. Elle dit il faut que tu trouves, tu sais, il faut que tu deviennes la personne que tu es dans le fond de toi-même. Puis il fait un U-turn, puis il quitte le caucus, puis il s'en va comme aider quelqu'un d'autre. Ah ouais. Il veut c'est vraiment comme si Zinane nous a mangé une claque en pleine face. Ça marche, il est sa même nature. Ouais. Puis, je sais pas si. Ouais. Il veut vraiment pas t'aider à te venger, moi, je pense. Ben, c'est pas juste me venger, c'est que ça peut mettre fin à tout ça aussi, là. Oh oui. Pour l'instant, on est condamné si on n'y arrive pas, là. C'est pas juste nous, c'est. L'équipe. Ben, l'équipe, mais c'est le monde. Le monde. Il y a trois semaines, on se connaissait pas, puis là, on a le monde sur nos épaules. Ah. Ouais. Je me sens pas encore à la hauteur de la tâche, mais ça va devenir. Écoute, après, une bouteille après l'autre. Commençons tout de suite. Puis aussi, il m'a parlé aussi du Carcari. Carcari. Du hein? Ouais. Carcari. C'est un peu. Ma mémoire d'académicien, parce que ça a déjà. Fais-moi un DC30 History Check. DC30. Je t'aide, puis on s'aide. On s'entraide. Non, mais même avec un crit. 30. Peut-être 30 pour réussir à savoir quelque chose. Mais avec un crit, ça marchera pas. Un crit, c'est un crit, là. Faut par l'académie, ce genre, c'est... Ça rajoute plus 10, ça, un crit. C'est pas 2D combiné. Non, c'est pas 2D combiné. Ben, 2D combiné, j'arriverai pas à faire 30. Ah! 9! 2D combiné. Donc, le Carcari, bon, on va essayer de s'informer là-dessus. Ouais, parce que... ça a rapport à qu'est-ce qu'ils cherchent. Qu'est-ce que le dragon cherche? Ou... Ouais. Ben, c'est un gang de méchants, là. C'est un gang de pas fin, là. Ok. Carcari. Ouais. Ben, d'après moi, à Lagonville, on devrait peut-être trouver information. À Carcari. Ouais, pour Carcari. C'est juste plate que Valène soit partie. Hint! D'autres choses, tu nous dis que c'est ça? Ben, c'était pas mal. Oh, il y avait autre chose, mais c'est est-ce que tu veux le dire ou pas? Ah,
Ben, je m'avance vers Flair. Ok. Puis, je me sens mal. Pas obligé de dire, tu peux la laisser découvrir puis se manger à la claque en pleine face là-bas. C'est comme tu veux, là. Mais là, j'ai déjà mes doutes, là. Ouais, mais. Ouais, ben, c'est. Je m'avance puis je dis, je pense que pour ton frère, ça. Il y a pas des bonnes nouvelles qui nous attendent. Malheureusement. Je laisse pas attendre comme si la veut. Qu'est-ce que je répète. Y'a pas de trêve. Oui. Je sais. Hello. Je fais un petit. Ok. Fait que l'on fait le petit oui. Ouais, ben là, moi qu'Artemis aille où il continue. Artemis, je vais aller pour qu'on va galoper. C'est quoi ta vraie nature? Ben, tu devrais devenir l'homme que t'es censé être. T'as aucune idée de ce que tu me demandes. Je continue. Sa vraie nature, c'est peut-être quand il est rasé ou quand il a une barbe ou. Ok. Belle effort, Squick, quand c'est correct. On va y arriver. Un jour à la fois. Une bouteille à la fois. Une bouteille à la fois. Une bouteille à la fois. Non. Des fois, c'est pas nécessairement un jour. Ça peut être plus rapide que ça. Ok. Donc, on revient à nos moutons. Donc, on est devant les. Des gens crucifiés, dans le fond, avec le sergent Lompré qui a dit Allen! Et Cassius, en shakant la tête, quand Cassius a essayé de. Un soldat qui a servi cette ville-là depuis longtemps, il finit de même, c'est inacceptable. Mais. Je l'ai dit ça en Rick en secret pour que les gardes m'entendent, là. On peut sauver, mais pas devant toutes les gardes. Je le ferai pas là. On s'en reparlera. Pour que t'atteignes son oreille, je suis élevé. On s'en reparlera sous silence. Mais il faut faire ça vite. Oui, Et là, on a la gang de Fontaine avec nous autres. Ouais. Okay. Vous avez des. Qui sont comme restés. Quand ils ont vu ça, ils ont comme gelé. Puis même le Griswold a sorti son épée. Ouais, c'est ça. Parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Ben. J'avais un peu l'idée. Ouais, mais. Ouais, mais. Tu sais, de là à arriver comme genre. Il y a des orums contre des orums. Ah, ouais. Ouais, là, c'est passé assez hardcore. Ouais. On essaie-tu d'aller. Ouais, moi, je pense que. Trouver un endroit pour dormir. Ouais, dormir est jasé. Non, mais. En partant, c'est parce que ces gens-là ont besoin de refuge. Oui, c'est pour ça qu'on est d'abord et avant tout. Et il faudrait peut-être avertir. Quelqu'un à la gomme. Le garde est juste à côté de nous autres. Non, mais il dit quelqu'un. Avertir quelqu'un à Lagonville que. Ah, ok, mon il y a une menace qui s'en vient. Vous pouvez même vous le dire à moi, monsieur. Je suis garde de la cité. Non. Votre nom. Votre nom. Je suis le lieutenant Arthurus. Le lieutenant Arthurus. C'est qui va les gosses? C'est toi le boss? Non. Oh, okay. C'est le général du lion. Il doit être fort, c'est le général du lion. C'est juste son nom de famille. On a tant de fort. Je mange mes mots. Okay. Et je me dirige tranquillement vers l'intérieur de la ville. On a. Ben, tu lui dis pas ce qui se passe? L'argent. Donc, qu'est-ce que tu fais en crise? On a-tu assez d'argent pour aller à l'auberge des plus argentés? Non. Toi, oui! J'en ai-tu assez pour tout le monde? Si on se partage. Les tresses sont bien. J'ai 737 gold. Ouais, ben, je peux aller à la banque en chercher d'autres. Là, je suis jamais allé. Oh, mais là, moi, ça s'appelle plus bien. C'est pas une bonne idée. Non, je sais, mais j'ai quand 737 gold, ben tu peux t'informer. Je sais pas si t'en as assez. Ouais, je la pogne par le coude, puis je suis comme.
low profile. Ouais, ben c'est ça. OK. Là, le mot d'ordre est ouais, mais là, c'est profile. Pas le festival du vin. Oh, c'est le festival du pendu à date. Il y a pas, il y a personne. Tu sais, vous arrivez comme vous déambulez dans l'artère principale, la rue principale où vous avez dit où est-ce que vous avez vu des setups. Il y a des banderoles, ils ont été comme c'est tombé, déchiré. Il y a personne là. Il y a comme des oui, il y avait des vendeurs là, ça a tout été comme pété, saccagé. Il y a plein de gardes qui se promènent, mais ils sont comme sur le pied de guerre. Mm-hmm. Il y a presque pas de citoyens. L'auberge des feux argentés est encore là? Oui. Qui reste dedans? Ceux que l'archimage laisse entrer. C'est quoi le nom de l'archimage? Personne ne le sait. Il n'y avait pas un dragomé qui travaillait ici avant? Ouais. Il est mort. Tu vois, il est arrivé. Allez à la ville, à la mairie. C'est le centre de la décoration. Oh. La décoration. Moi, quand je décore chez moi, c'est un peu plus festif. Ouais. Ok, ben. Bien mon beau. Quand même, ça va être plein de croix. Merci pour votre aide. Merci. Merci. Puis, ben, c'est beau, c'était ici, on s'en est. Non, mais faut arrêter de parler, on va tout faire. Vas-y, je m'éloigne, vas-y. Cassius, c'est comme là. Je me rappelle de sa face, je prends la merde. Cassius, on est fatigué. On est fatigué. On a des réfugiés. Je regarde Griswold, je dis, si le fond, je vous donne 60 gold, est-ce que vous allez être capable de vous. Ouais, vous organisez. Il y a une auberge pas trop loin, il y a un jeune, il y a un halfling, ouais, un hobbit, c'est un ami. Il fait de la mauvaise bouffe. Squeak. Ben, c'est parce que je veux que tu sais vous ayez de la place pour faire de la mauvaise bouffe. Ça devrait aller. J'ai de l'or de toute façon. Je vous remercie, okay. Monsieur Kaiso. C'est beau, il n'y a pas de problème. Donc merci. On a des décorations à les visiter. Ouais. C'est une nuit. Si vous décidez de donner des baffes, donnez-en une pour moi. Pas de problème. Avec plaisir. Et vous savez où je suis? Oui. Ouais, j'aimais bien faire, je manque tout le temps mon coup. Une place où ce que nous avons fait. Y a-tu l'air encore à s'en fondre? Ouais, il tenait. Ah oh, oui! Mais si ça fait, on peut aller chercher. C'est... Il est là. Tu sais pas ce que ça donne, mais c'est lui. C'était un des deux héros d'un conflit. Mais là, il est plus. Non, mais c'est ça, je me demandais là aussi. Mais il est encore capable de tenir son épée. Ok. Sans problème. Ok. Fait que elles autres s'en vont, nous on va aller voir Amélie un peu qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Tu vas aller direct. Non mais je. Elle donne rien d'y aller. Il va falloir y aller cette nuit. Je veux juste aller voir. on peut faire les innocents. Fait que là on est parti de la Gonville il y a à peu près 5 jours de ça. Ouais. À peu près. Okay. Ça a été rapide. Ça a sûrement tout pété quand ils sont venus nous aider et que ça. Quand ils sont revenus, le push avait été fait. Mais oups. C'est là qu'il faut qu'on aille pareil pour les avertir oui, qu'il y a une guerre qui s'en vient, là, tu sais. On n'a pas le choix. Bon, juste aller voir, tu sais. Quand? Reconnaissance à la mairie. Fait que vous pouvez avertir Inoue de l'armée qui s'en vient. Oui, oui. On va en profiter pour vous voir. Vous arrivez, le fameux building, vous avez été à la cour il n'y a pas si longtemps. Ils ont installé des chaînes. Plantées directement après le mur. Il y a une femme elfique qui est là. Mais vous l'avez jamais vue, fait que vous savez pas, parce que vous avez jamais été à voir. Mais il y a une femme elfique qui est attachée là. Elle est comme dos à vous autres, elle a des longues chaînes, fait que imaginez-vous, c'est comme ça, attaché 30 pieds. Elle est attachée au bras. Elle est attachée au bras. Est en espèce de tenue, c'est comme, ça a plus l'air d'une poche de patate que d'autres choses, si tu veux. Puis elle a plein de marques, tu sais, comme le sac a été fendu, tu veux, comme des traces de fouet. À un côté du porte. De l'autre côté du porte, c'est une silhouette
que vous avez déjà vu à plusieurs reprises, dans la même situation, mais lui est attaché comme ça, il est attaché au pied, avec des grosses chaînes genre pour tirer des bateaux, pour leur tenir. Et c'est le capitaine Dragomir, qui est juste en pantalon, puis il a été fouetté. Non, mais là... Il est tout le temps en pantalon. Oui, il est tout le temps juste en pantalon, mais là, il est décrissant un peu de la vie. Il a pas son marteau. Il est-tu vivant? Oui, il est vivant. Puis il y a des citoyens qui se promènent, puis il y a comme des fouets qui traînent à côté. Puis les gardes encouragent les citoyens à prendre les fouets et à frapper. Ok. Cassius, c'est comme là, on part en rage. Préparez-vous, je vais aller l'avertir. Fait que là, je prends un fouet, là. Fait que de toute façon, je fouette pas tellement fort. Fait que là, je m'en vais, pis. Mais là, tellement proche de lui en frappant, pis encore pire que ce que je suis capable de faire, là. Pis là, quand j'arrive à côté de son oreille, on va sortir de ta verre. Pis là, j'essaye 2-3 coups, mais c'est tellement pourri comme. Fais une déception. Ben là, je frappe. Ben oui. Avec ma force de 6, là, c'est pas ben ben dur. Fais une déception. Avec avantage, vu que je suis pas bon. Un crit! Super! Personne n'y voit que tu fais. C'est. Mon premier et dernier crit. Au moins. C'est un bon moment. C'était. Ouais. Tu sais pas s'il t'a reconnu. Ou si. On peut-tu voir la face? Oui. Moi, je vais me mettre dans sa face, je le regarde. Ah, mais lui, il est peut-être. Lui, il est comme à moitié sonné. Il a mangé une maudite volée. Là. Tu te doutes que ça doit pas avoir été facile de l'amener là en partant. Ben, les dons, c'est des points. Oui. Mais là, pour l'instant, c'est comme calme. Mais. T'es-tu capable de refaire une autre cut en les lançant une noix dans la bouche pour lui donner un peu de pep? Ça reste Léophène, là. Le nourrir, quoi. Ben c'est dur parce qu'il y a des gardes qui vous regardent. Ça, c'est ça que j'ai dit. Hein? Non. Ben, moi, je vais essayer de créer une diversion pendant qu'elle, je pense qu'elle doit aller des bonnes mains. Hein? Ouais. Non. Mais qu'on le sauve, c'est une garderie. J'ai dit, pourquoi lui, il est là? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous ne connaissez pas? Ben, ça me dit rien. C'est le légendaire capitaine Dragomir. Moi, je suis juste Cassius de long rang, je sais. C'est tout, là. Oui, un académicien, l'autre. Oui. Non, oui, un académicien. Moi, j'ai réussi à la faire. C'est le célèbre. Hein? C'est quoi? Ben, c'est pas tout le monde qui a réussi à la faire à l'académie. T'sais, moi, j'ai préféré faire autre chose, monsieur. Je sers la famille Orom. Ah, oui? C'est qui est en charge de la famille Orom? Pour l'instant, personne. Vous servez. Mais c'est qui prend toutes les décisions? Je sers la maison. Mais c'est qui prend les décisions? Les enfants du patriarche. Les enfants du patriarche. Les enfants. C'est quoi leur nom? Je ne suis jamais passé ici, moi. Artemis va nous le dire. On va voir s'il prend des bonnes notes. Gisèle et Thomas. Non, mais je veux que lui me le dise. C'est Gisèle et Thomas. Orom. Et des jours, c'est Gisèle. Tu l'avais pas écrit encore, hein? Oui, c'est... Gisèle, des fois, c'est des jours, c'est Gisèle qui prend des décisions. Des fois, c'est Thomas. C'est qui a pris la décision? Pour les deux. Pour faire. Oui. Et dans la rue aussi? Les croix? Écoutez, le patriarche est mort et il a laissé un testament. Un testament? Comme un state trident, comme l'histoire. Ouais, moi seulement que ça, dans vraiment sa bonne histoire. J'essaie de Il a nommé un troisième enfant. Oh, ouais. Un troisième enfant. Un héritier et héritière. Donc, il n'y a pas trop. C'était qui son troisième enfant? Personne ne le sait. Mais. Mais est-ce que les boss d'Orom donneraient une récompense si on trouverait cet enfant-là? Oui, mais ils savent pas c'est qui. Hein? Et ils pourraient pas vous donner d'indice. Tout ceci étant dit, ce qui s'est passé, c'est que certains membres de la famille, dont notre ami, ont décidé de refuser les commandements des enfants légitimes du patriarche, comme la troisième n'existe pas vraiment. Ce serait une légende. Genre, ben si elle ne se manifeste pas.
Et donc... Y a-t-il un délai sur leur... Non. Ce qui veut dire que légitimement, il n'y a plus personne au contrôle de la maison Aurum. Ça va rester eux jusqu'à temps que... Ouais, ben jusqu'à temps qu'il y en ait un des deux qui se tue. Parce qu'ils se tapent mutuellement sur le nez. Ceci étant dit... Mais... Oui. Non, je... Continuez votre histoire. Ceci étant personne... dit, la plupart des gardes ont été obligés de choisir... À côté. C'est un gouvernement qui roule par la peur. Pour l'instant, je vous dirais que c'est un gouvernement qui essaie de se stabiliser. Mm. Et ensuite, on verra. Ça fait combien de temps que c'est comme ça? 3-4 jours. Oh, ouais. Hein? Stabiliser un gouvernement en 3-4 jours, ça, hein? Faut pas être facile. C'est pas moi qui prends les décisions, monsieur. Ben, c'est clair. C'est clair. Vous avez pris une décision et c'est votre côté, finalement. C'est quoi votre nom? Je suis... Trooper. C'est encore en français. Oh boy. C'est en anglais. Ben, c'est Trooper, mais. Soldat. Chantier. Fait qu'ils mettent des soldats en charge des monuments comme ça. Juste ce simple garde, je check le fouet et que le prisonnier s'échappe pas. Ah, ok. Fait si j'ai bien compris, si vous êtes en. C'est quoi? C'est que vous avez pris allégeance à un des deux côtés. J'ai pas vraiment eu le choix. C'est ça ou finir en avant comme les autres. Donc, vous avez choisi le côté qui avait plus de chances de gagner? Non, le côté qui gagnait. Oui, mais est-ce que vous avez choisi Gisèle ou Thomas? Non, mais c'est ça que je veux dire. Parce que c'est la bataille entre Gisèle et Thomas. Ça a l'air d'une épopée hallucinante, là. Mais c'est entre Gisèle et Thomas, mais faut-tu prendre... Soit pour Gisèle, soit pour Thomas, ou faut prendre pour les enfants en Rome? Faut prendre pour les enfants en Rome, ils vont régler la situation. Ok, je comprends, je comprends. Okay. Parce que si... Il ne faut pas arborer de symbole avec la flamme au-dessus. Mais c'est quoi votre opinion personnelle là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord? Je souhaite que cet enfant existe et qu'il vienne nous libérer. Je fais un insight dessus. Vas-y. Moi, je voulais un crit. Ben, il t'a pas menti. Okay. J'avais une bonne idée, mais tu sais, on va voir game. Puis, admettons que je dois prendre un pari sur lequel des deux qui gagneraient, connaissez-vous des avantages? Y en a-t-il une qui fait de la magie? Y en a-t-il un, c'est plus un guerrier? Connaissez-vous des avantages qu'un pourrait avoir sur l'autre? Qui pourrait succéder le plus à l'intendance? Qui pourrait avoir le plus de chance? Est-ce que la fille, je pense que vous avez dit Gisèle? Les deux enfants du patriarche ont été gâtés par leur grand-mère. Ok. Les enfants? Non. Elle a été tuée par le patriarche. On ne sait pas pourquoi. Ah. Il y a une personne dans le groupe qui sait pourquoi. A été tué par le patriarche. Mais ils ont toujours été gâtés, ils ont pas vraiment. Ils ne possèdent pas les talents de leur père. Thomas fait un peu de magie, mais c'est plus un guerrier qu'autre chose. Mm-hmm. Et Gisèle, ben, personne n'en a aucune idée. Mm-hmm. Elles sont possibles. Je dirais qu'elle sort plus avec toutes les gens de bonne famille qu'elle croise pendant quelques soirées. C'est plus important autre chose. Si on veut. Okay. Mais on a des choses à faire quand on va vous laisser. Oui, je sais, mais comment on va y aller et chercher mais... des informations. Je vous donne votre nom, monsieur. Chantier. Chantier. Mm-hmm. Sais-tu, c'est où la place pour aller conseiller où vous allez boire à soir, vous? Chez moi avec ma femme. Mm. T'as le temps pas d'aller à l'auberge, jaser? Non. Non? Non. Quoi? J'en ai déjà trop dit. Come on. On rouse dans une discussion. Je vais faire un slide avant, je vais mettre 5 pièces d'or dans sa poche. Ok. Allez. T'arrêtes de me faire. Ah non, même pas. J'ai comme. Il me. Il me. J'ai échappé l'argent à terre. Monsieur Long. J'ai jamais dit mon nom. Je sais que t'as pas dit ton nom. On est connus, on a passé un cours de 5 jours, là. Prenez votre or. Et protéger la flamme. Il faisait partie des good guys. Et
si on va à la mairie pour donner une information capitale en ce moment, ça va être bien pris ou vous êtes trop pris avec la gestion interne? Vas-y, demandons l'information aussi, je vais m'en occuper. Ça va être moins risqué. Connaissez-vous les maraudeurs? Oui. Oui, mais ils sont à une journée. Ils sont à une journée peut-être derrière nous, deux. Ouais. En ce moment. Avec un dragon. Attends, attends. Ils sont pas derrière nous. Ils s'en viennent pas vers ici. Ils s'en vont vers le nord. Vers le nord de Fontaine. Il n'y a rien qu'on peut faire, M. Grézo. Même, je vais le dire, mais ils dépêcheront pas un homme. D'accord. Mieux vaut avoir l'information que l'ignorer. Ils dépêcheront pas un homme. Ils vont vouloir garder tout un soldat pour être sûr de pas perdre la tête. De pas perdre le contrôle. Oui, okay. Mais juste au moins si vous pouvez, si jamais ils décident qu'ils ont eu une bonne victoire et qu'ils veulent continuer, il était quand même un groupe important avec un dragon noir. Ouais, donc, on vous tient informé. Je vais faire mon possible. Ils s'en vont vers le nord. On n'est pas au nord de. Non. Non, pas ça. On est à l'est. Dans le fond, c'est ils menacent pas directement la Gonville. C'est ça. C'est juste... pas directement la Gonville, oh! Peut-être. Sauf que, tu sais, si jamais ça arrive souvent pendant des guerres, ils ont eu une bonne victoire, hey, on va continuer. Qu'est-ce qu'il y a proche? Est-ce que Carcari, ça vous dit quelque chose? Ils prennent les affaires faciles. Carca quoi? Pour les instant. Affaires faciles pour l'instant. Pour l'instant. Ils vont continuer au nord, ça, c'est ça. C'est sûr que ça a l'air de s'enligner pour. Bon, passez votre chemin! Allez! Merci. Soldat. Académicien. Vous faites quoi? On s'en va à l'auberge. À l'auberge. Laquelle? On peut-tu le passer au poste satellite avant de livrer notre message? Je veux aller à l'auberge, oui, ça, que j'essaie de prendre mon vin. Très très bonne idée. Ah, oh, mon Dieu. Mais il me reconnaît pas. Non, il te reconnaît pas. Le nain, là? Hein? Ouais, le nain. Ok, pas le hobbit, le nain. Parce que là, je veux savoir, allez-vous voir Sam, le hobbit, ou le nain que t'as essayé de crosser? Ben, on a besoin d'une auberge, j'en connais une. Mais... Oui, j'en connaissais deux. Il y a Sam, le hobbit, que Squeak aime pas. Mais on sait qu'il nous aime. Ouais, pis c'est lui que c'est il y a une bouteille du maître brasseur. Ça, c'est Sam. Puis il faudrait passer par le poste satellite. Ouais. On va juste faire, mettons, on a fait une copie du message, on la drop là, puis on va faire ça. Vous arrivez au poste satellite de l'académie. Tout le monde rentre? Non. Non. Ouais, c'est bon, ok. C'est encore le petit vieux. Oui! Le petit bougon. On a un message à envoyer à l'académie. Très bien! Mm-hmm. Donnez-moi le message. On l'a célébré. Célébré avec la bague. C'est pour qui? Le préfet de l'académie. Très bien! Voilà! Merci. Avec joie! Comment ça se passe ici, ces temps-ci? C'est pas très bon pour les affaires. Je suis quand même dans sa porte. C'est vrai que la plupart des académiciens ont de la difficulté à prendre des missions qui se retrouvent à être chassés l'enfant non existant du patriarche. Okay. Il y a un contrat ouvert. Oh. 3 millions. 3 millions? Oh, 3 millions? D'or? Si ça vous intéresse, messieurs. Je pense que j'entends pas ça. J'entends pas ça. J'entends pas ça. Il faut peut-être s'arrêter là. On ferme notre avec ça. Moi, je crois que pour l'instant, on ferait mieux de garder l'information. C'est bon. Doucement. Pour flair, hein, comme nous! Tu partages de. On va attendre d'être en lieu sûr. On va-tu autre chose? Oh, oui, 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 je suis pas les noms. En allant à l'auberge? C'est pas plus que ce que vous avez déjà vu. C'est pas mal ce temps-là. Fait que vous allez à quelle auberge? Là, vous n'avez pas toujours pas répondu. La flagon. Vous allez voir Sam? Vous allez voir Sam? Ouais. Quel nom? Deviens. Bon, en arrivant là, il y a comme plein de charrettes que vous avez léguées, parce que c'est là qu'ils s'en allaient, fait qu'ils sont là. Le monde que vous avez sauvé de la fontaine. Je prends une bonne idée, l'auberge va être pleine.
pleine de gens qu'on a sauvés. Je pense qu'on va être reconnaissant. Ça devrait pas nous coûter cher. Ça devrait pas nous coûter cher. Ils vont être très reconnaissants. Fait que vous rentrez. Il y a Sam, son petit tabouret. Ah! Non! Mes amis! Et le gobelin. Si tu faisais de la bonne bouffe, qu'on serait amis. Et toi, si tu serais beau. Mais bon! Que puis-je pour vous? On aurait besoin d'une chambre. Les affaires vont bien, ce que je vois. Eh bien, ça allait mal. Et tout d'un coup, pouf! 30 personnes. C'est incroyable. La chance que j'ai. Oui. Oui. On est un peu l'instigateur. Oui, je sais, je sais. Certainement que je vais vous trouver une chambre. Ah, ben si on pourrait dormir dans le coin de la pièce, c'est seulement que vous non. Non. Trouver. Les héros de Fontaine vont avoir une chambre. Héros de Fontaine. Mais non, on est des Squid Force. Ils ont pas de goût. Non, Squid Force, non. Ils ont pas de goût. C'est super. Ça me force. Ah! Malheureusement, je peux juste vous placer 3 par chambre. Ben, non. 4 garçons, 2 filles. Non, c'est beau, c'est ce qu'il reste. Ben, lui, c'est comme une fille, donc on peut faire 3-3. Ben, ça dépend. Il y a combien de lits par chambre? Oh, je suis juste à côté de toi. Ben, je pense, c'est parce que j'ai deux superposés pour faire 4 et 2 lits. Okay. C'est bon. Je vais prendre ce que vous avez, mon frère. Est-ce que vous voulez manger? Veux-tu aller parler un petit peu avant? Oui. Ben, en fait, on peut le commander, c'est pas une tâche. Wow, oh. Flair Vermeeting! Juste avant. Ok, non, oui, on va manger. Je peux faire le service aux chambres si vous voulez. Ben, regarde, on va prendre une table dans le coin. Puis... Ben, service aux chambres, ça revient au même. Juste avant, c'est juste... J'aimerais ça remplir mes gourdes de vin, s'il vous plaît. Oui, certainement. Oui, combien ça me coûterait? J'ai 4 gourdes à remplir. Oubliez pas, on vous a rempli votre salle. Non, regarde, je suis prêt à payer le prix nécessaire. Là, une pièce d'or. Facilement. Merci beaucoup. Changer le goût de la bière. Il est gentil avec nous, là, c'est dans sa nature, demoiselle. Sa nature profonde, il faut l'encourager, Crossin. J'ai ça qu'elle nous dit. Excepte que tu es. C'est moi qui ai tout compris. Ok. Enfin, du bon vin. Oui. On est mieux de manger dans la chambre pour être sûr, vu qu'il y a beaucoup de temps. Ouais. La chambre est plus grande, on y a 4 places. Donc ça a plus d'espace. Ok. Allons-y. Okay. Allons-y. Fait qu'on est dans la chambre. C'est la nature juste pour être sûr. Oui. Puis. Moi, je vais faire un tour de la pièce, faire sûr qu'il n'y a vraiment personne qui nous espionne. Non, c'est la. C'est sûr. T'as deux lits, vous vous assisez, genre, il n'y a plus de place, là. C'est comme, il n'y a pas personne. Correct. Je veux juste être sûr qu'il n'y a personne d'autre qui nous entend. Là, on peut donner l'information. Oui. En passant, il y a un contrat pour te retrouver de l'académie. Pour retrouver la Madame Horan, hein, qui est toi. Le montant, c'est 3 millions de pièces d'or. Il y a bien des académiciens qui vont essayer de te retrouver. Stacy est ici pour rester un petit bout, mais là, on ne peut pas laisser la ville demain. Ça, je suis d'accord. Oui, on peut. Non, on ne peut pas. Oui, enfin. Ils sont en train de nous tuer, tous nos amis. On les sauve. Parce que de toute façon, elle l'a dit dans sa vision, faut sauver ton gros musclé que t'aimes beaucoup, là. Fait qu'on les sauve, là. Puis après ça... C'est sûr qu'on les sauve. Non, ouais, non, non, je peux pas laisser la ville comme ça. Attendez. C'est ma ville, je peux pas la laisser comme ça. Valen. Oui. Valen. Mais moi, justement, puisque j'ai entendu de quoi le garde tout à l'heure a dit que l'auberge des Fleurs Argentées était réservée par un archimage. Est-ce que vous croyez que ce serait Valen? Non, c'est lui qui contrôle les olives. Okay. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a créé. Si tu viens de l'histoire des Feux Argentés, l'auberge des Feux Argentés a été créée par un archimage que personne connaît le nom. Même le patriarche ne savait pas c'était. Je ne penserais pas que l'archimage nous empêcherait de l'entrer, même peut-être qu'il serait content.
Mais, tu sais. Ça prend trop de chance. Ça prend. Parce qu'ils nous laissent rentrer, tout le monde va nous watcher. C'est trop high profile comme place. Ouais. Tu peux pas. C'est comme. Le monde qui rentre à cette auberge-là est remarqué par tout le monde. Mais là, l'affaire, c'est que, tu sais, dans ta vision, il faut que je prenne quand même un peu ma place. Là. Je peux pas juste laisser ça. Ah, parce que tu es capable de le faire, là. Non, oui. Mais il faut faire quelque chose. Je peux pas laisser ça. Mais je pense que, Cassius a raison, on aura besoin de l'aide de la reine. Oui, je suis d'accord, on peut faire un plan, ça me dérange pas. Tout commence à baleine. Ça me dérange pas, mais on va pas au festival de la bière tant que c'est pas réglé. Mais là, c'est dans 5 gardes. Ouais, je sais. C'est pas le temps maintenant, là, justement. On va régler des choses ici. Justement, et là, il faut peut-être trouver la façon de trouver Valen en ce moment. J'ai une idée. Oui? Vas-y. C'est qui les meilleures personnes qui passent pas une c'est qui les meilleures personnes qui passent inaperçues dans la ville? Les personnes qui passent inaperçues dans la ville? Oui. Qui te remarque jamais dans la ville? Je sais pas, moi, les clochards. Les enfants. Les enfants? On connaît sa place où est-ce qu'il se cache! On est allé dormir là! Oui, je sais, oui. Mais c'est le bois. Mais la place était surveillée. Ouais. Ouais. Par qui? Mais on pourrait peut-être passer. Si elle était surveillée, ça ferait longtemps qu'il serait allé. On peut peut-être passer à sa shop, voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être que. Dans sa shop, il y a quand même. Ça, je pense que ça serait peut-être une mauvaise idée. Parce que Valen avait déjà été commencé à être recherché à partir des minutes. Peut-être que là, c'est tout le temps surveillé. Si. Ils savent que nous, on s'en va là-bas. Ils vont voir qu'on connaît Valen. Ouais, à ce moment-là, on est en danger. Tandis qu'un orphelin de la rue, qui passait inaperçu aux yeux des gardes, aux yeux de tout le monde, puisque ça fait partie du décor, tu leur promets une pièce d'argent pour renvoyer un message à Valen. Orphelin clochard, puis cet enfant-là va le trouver. Et voilà. Il n'y a pas personne qui connaît mieux les rues, qui connaît mieux le quartier, les passages secrets, toutes ces affaires-là, toutes les cachettes, qu'un orphelin de la rue. Je suis bien d'accord. J'aime l'idée. Moi aussi. Mais on fait quoi pour Dragomir? On le sauve 5 minutes. Une fois qu'on a rencontré Valen, d'après moi, ça va peut-être débloquer sur quelque chose. Je suis d'accord avec Kaizo. Je ne ferais pas de move sans avoir parlé à Valen. Mais Valen va peut-être nous apporter une solution. Moi, je suis à ça d'un blind rage d'émotion. Fait que je dirais de pas trop attendre longtemps. Je pense qu'on ferait mieux d'essayer de trouver Valen, puis à ce moment-là, passer au prochain. Ça, c'est fleur, c'est au prochain move. Deuxième chose, quand tu étais à Station Satellite, dont tu dis qui a fait le mandat pour le 3 millions pour elle? Non, d'après moi, ça a juste parti sur. Ils ont comment envoyé le contrat at large à l'académie, parce qu'ils savent que le monde sont intéressé. Mais qui? La famille Aurore? Ça. Je peux aller m'informer. C'est sans intérêt. Ben non, tu peux dire qu'elle était intéressée aux 3 millions puis prendre le contrat. Où est-ce que t'allais? Fais semblant que t'étais intéressée puis c'est tout. Si t'es capable de trouver c'est qui, je suis capable de peut-être faire une forgerie d'un document qui annule le contrat. Tu veux forger l'Académie des lois, toi? Ça va donner ça va dur à former. Forger la famille Aurum qui annule forger le contrat. Mais c'est parce qu'il va falloir que ça passe à l'Académie. Mon point, c'est il y a du monde à l'académie. Pense-y 30 secondes. Ils vont inspecter. Qui montre au monde comment faire ça. Vous savez, Artemis, il y a des choses qui suivent, ça, c'en est une. C'est pour ça que je te dis ça. C'est dur d'essayer de cacher un faux document. C'est parce qu'avec la magie qu'ils ont accès, ils peuvent le retracer. Mais je peux m'informer qui a mis le contrat. C'est sûr et certain qu'on peut s'informer. Mais je suis pas mal sûr. C'est la famille Aurore. Probablement. C'est la famille Aurore. Ça te donne pas grand-chose. Surtout pas. Attends, le contrat c'était pour me tuer ou me retrouver? Non, retrouver et te ramener à quelque part. Les académiciens, c'est assez rare. Mais il n'a pas posé de questions si t'es mort ou vif. Il n'a pas posé de questions si. Ils n'ont pas posé de questions. Ils ont. Oui! Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui a une en vite. Oui. Il y a quelqu'un qui avait l'air pressé. Ouais. On savait pas. Mais c'était censé être un vite. Ouais. T'es super pressé, puis là tu te dis meeting. C'est correct, tu savais pas, c'est ça, c'est normal. Ouais, c'est correct. Mais, fait que là, vous autres, voulez-tu aller vous informer comme si vous étiez super intéressé? Puis pendant ce temps-là, on va trouver un petit orphelin. Et pendant ce temps-là, essaye de peut-être voir un plan pour Dragomir pour ce soir, quelque chose qui a de l'allure. Squeak, des fois, il y a des bonnes idées, ok? Des fois. Ouais. Ouais, c'est ça. Il va falloir que tu passes au conseil.
peut-être en heure l'après-midi. Ouais, ça, il faut se faire tard. Ouais, sauf que si vous essayez de prévoir un plan, faites donc ça pas loin d'une pierre de silencio, peut-être. Je peux laisser ma pierre. Oui, parce que. Il n'y a pas de plan. C'est quand même squick. Exactement. Il n'y a pas de plan à faire. Ça ne donne pas grand-chose de faire un plan. Mais moi, je pense qu'il faut attendre la reine pour le plan. Là, mais... Ça prend un voleur qui débarque. Ben, j'aimerais mieux, oui. J'aimerais mieux parler à la reine. On fait la première partie du plan, puis je pense qu'on va être bien parti avec ça. Je sais. Que... C'est quoi la première partie du plan? Trouver un clochard? Trouver un enfant. Un orphelin, un enfant. Pendant que ça, fais une investigation. Je vais l'aider. Quoi, ça va être super. Ah, t'es pas avec nous? Ouais, t'en faire autre chose. Je suis content, excuse-moi. Je... Fait que, non. Pas d'aide? Non, pas d'aide. 20. Tu sors de... Ah, y'en a un là! c'est généralement le. Tu vois? J'ai écrit un message dans le fond, Valen. Viens nous voir à l'auberge. Flagon vert. Flagon vert. Fishing. Oh. Ok. Là, je regarde l'enfant. Je donne une pièce d'argent. Oui? Je vous donne 5 pièces d'or. Quand. Si t'es capable de nous ramener un message de Valen. Une confirmation quelconque. Waouh, ça peut être facile. Merci. J'essaie de le trouver, il est dans sa shop. Puis il part. Mais non. Avec la lettre. Il est dans sa shop. Ouais, c'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est pas. On veut pas se rendre à la shop. On veut pas se faire voir à la shop. Ouais. Fait qu'il a pris la lettre. Oh oui, il est parti en courant. Moi, bon, mais moi, j'ai fait ma. Ouais. J'ai fait ce que j'avais à faire. Bon, vous autres, vous faites quoi, les académiciens? Ouais, ouais. Vous autres, un jour, vous allez voir. Pas se sacher les. Ça me fait plaisir. Aniska! Faut te laisser aller. J'arrive! Oui! Ouais, on s'en. Encore vous! Oui, ben oui. On s'en parlait à l'extérieur, puis on s'est dit. 3 millions. C'est une belle somme. Ouais, ouais. Et on peut savoir plus de détails sur la mission? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ben, déjà là, qui paye une somme pareille? C'est qui le client? C'est quoi la mission? Eh bien, c'est comme un tout. Il y a trois personnes qui ont mis un contrat de 1 million chaque. D'accord. Okay. Oh, donc, il y a Thomas, Ram, Gisèle Ram, et un qu'on n'a pas vraiment le nom, mais il est dans le coin de Port-Olivier. Ok, d'accord. Dans le coin de Port-Olivier, c'est spécial. Ouais. Je peux quoi te dire, je suis pas là. C'est quoi le nom du boss de Minou? Ouais, je me rappelle de ça. Tu sais, le gars qu'on a éliminé, là, puis tu fais ça sans savoir. Je fais semblant de pas savoir parce que je veux pas qu'on ait un lien avec ça. T'en rappelles pas, pantoute? Non, c'est normal. Elle était pas là. Celle-là, je l'ai oublié, cette partie-là. Donc, d'accord. Elle était remplacée par un tank, puis qui pouvait encaisser, mais qui devrait aller rendre. J'imagine qu'il la cherche vivante. Hein, mort ou vive? Mort? Mais pourquoi mort? Elle n'est pas censée prendre justement succession. Ouais, mais quand c'est le frère et la sœur qui donne le contrat. Ouais. Et le troisième, il semble la vouloir aussi morte les deux autres. Je sais pas ce qu'elle a fait. Okay. D'accord, je trouve ça un peu spécial. Est-ce qu'il y a beaucoup d'académiciens qui prennent cette... Ça arrive. On a déjà eu un contrat il y a quelques années pour... une femme. Et sa fille. C'est plus glorieux. Ouais, c'était... elle, c'était une serviteur de la maison Rome. La femme ou la fille? La femme. La femme était serviteur de la maison en Rome. Ouais. C'était la mère du patriarche qui avait dans les contrats. Mais boy, il y a rien. Il y a quelqu'un qui en veut vraiment à cette famille-là. D'accord. Ça a-t-il exécuté ce contrat-là? Oui. Est-ce qu'il y a un académicien qui a assassiné quelqu'un? 4 académiciens.
Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi les noms de ces quatre académiciens-là? Il y avait probablement un professeur que vous avez déjà eu. Son nom était Caladorm. Oui, d'accord. Les trois autres sont morts. Les trois autres sont morts, j'imagine, en effectuant la mission, probablement. Non. Non, même pas. Non. Par la suite. Mort par accident après avoir encaissé. Ah, d'accord, oui. Ça ne semble pas du tout louche. D'accord. Coïncidence. Wink, wink. Et sinon. Ça arrive quelquefois. Est-ce qu'il y a un endroit où ils doivent rapporter. La tête! La tête ou le corps, si elle est vivante, c'est au manoir Orum. Au manoir Orum directement? Oui. Est-ce qu'il faut aller voir quelqu'un en particulier pour s'informer ou on arrive au manoir? Vous arrivez au manoir avec ce que vous livrez. Et ensuite, l'argent va être livré. Est-ce que c'est marqué une façon de la reconnaître? Comment on fait pour la reconnaître? Exactement, c'est quoi son nom? Il n'y a aucune information. Fait que n'importe qui. Aucune! Autre! Que ce serait, vraisemblablement, comme son père, quelqu'un qui pratique la magie. C'est la seule, genre. Okay. Je pourrais me promener en Fire Genetic, pis ça. Ils savent pas. D'accord. Reste en Stacy. Ouais. Parce que même l'autre, il a jamais vu, il a toujours vu Stacy, il a jamais vu. Vous avez pas peur que ça fasse une chasse aux sorcières, ça? N'importe qui voit une demoiselle faire de la magie, aller pouf, chez les Orum. Morte. Hey, sur quoi? Chut, c'était mon plan! Et il doit avoir des façons de vérifier. Non, c'est pas lesquels, c'est les autres clercs qui sont capables d'avoir l'authenticité. Mm-hmm. Ok. Bon. Fait que, on signe où sur ce contrat-là? Signez pas, c'est un contrat ouvert. Vous l'accomplissez. Prenez garde, messieurs. Parce qu'avec la brutalité des deux autres, il y a beaucoup de gens qui commencent à demander où est la flamme. La flamme est dans le Chris. Eh bien, le patriarche avait la flamme. Et il a donné son symbole à sa fille. Donc, c'est la flamme. Thomas et la pierre. Et Gisèle? L'eau. D'accord. Mais en tout cas, c'est de l'information que vous gardez en tête, sauf que moi, je suis pas le genre à amener un corps mort. Mais... Non, mais l'affaire qu'on peut se dire, c'est qu'il y en a qui le sont. Ouais, c'est... Maintenant, ça explique beaucoup de choses. Hein. Ça explique beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont une réticence vis-à-vis même l'académie. Mmh. Moi qui croyais que... était reconnu quand même par personne. Ouais. Ben, coudonc. C'est la claque en pleine face. Bon. Non, mais merci pour les informations. Que j'en avais pas donné. Non, ils savaient pas, là, ils l'ont. Là, nous, on va essayer de faire redorer l'image de l'académie. Oui. Une bonne idée. Alors, merci beaucoup. Merci à vous! Ben là, pourquoi tu prends pas une gorgée en l'honneur de ce que tu viens de dire pour redorer l'image de l'académie? Ben, je pense pas en prendre une gorgée, moi aussi. je peux pas avoir un squeak qui est pas là, qui est ici. J'ai pas une sorte d'un squeak, j'ai gardé ma voix. Ben, j'imagine, mais là, c'est ton idée. Je veux pas te voler de ton idée. Mm-hmm. Là, tu as comme volé son idée, mais il peut pas le faire. C'est ça. Blablabla. Et bon, fait que on tourne-tu. J'ai soif. Au flacon vert. Ok. Pendant que vous vous promenez, vous voyez un kit en courant. Avec une lettre qui passe entre vous aux gens. Comme ça. Puis il s'en va au flacon vert. Puis il rentre. Puis... Sam! Sam! J'ai une lettre pour monsieur! Ah! Mais il y a dans ma salle ou il y a dans moi? Hein? Il y a dans la salle? Ben t'es-tu? Oh, ouais, j'ai envoyé un monsieur! Merci, Sam, c'est le soir, s'il vous plaît. Merci! Quand tu ouvres la lettre, il y a comme un espèce de carré noir qui a l'air tridimensionnel. Rentre-toi la tête dedans. Ta tête rentre pas dedans. C'est ça. J'aurais gassé, tu sais, comme. Ouais, c'est ça.
main rentre, puis tu touches quelque chose de soyeux dans le fond. Oh. J'en vais moi-même, plier la lettre, on s'en va dans la chambre. Ah, ok. Je remonte dans la chambre. Ok. Fait que là, t'as Squid qui est là avec Zasmir qui. Moi, j'essaie de dormir. Ok, Zasmir essaie de dormir. Je vais me reposer, mais. Squid qui saute dans le lit pendant ça. Il est en train de m'enseigner à comment tricher au cap. Ah ouais, c'est vrai. Fait que, ok, fait que là, vous montez en haut. Parce que fait que ça se met à dormir, mais là, vous rentrez dans la chambre. Fait que là, se fait réveiller. Bon. Ah, ou d'autres chambres. Dans... Ben, dans la chambre des filles, j'imagine. Ouais. Peut-être tu restes dans la chambre à 4 ou dans la chambre. Ouais. Peu importe. Moi, j'ai juste. Ah, fait qu'elle est dans la chambre à 4. Peu importe, on s'en fout. Je borde la porte, puis c'est l'anxio. Je rouvre la lettre, j'emmène ma main dans la chose, je sors le casier. Tu sors une cape. Une cape? Ouais. Mais là. Go! C'est pas sa couleur à elle? Non, c'est pas sa cape à elle. C'est une cape comme grise, lettre. Ok. Et tu as un goût? Non, je la swing, je me mets ça sur sa tête. Ok, toi, tu remarques rien. Vous autres, vous le voyez plus. Il y a juste une lettre dans les mains. Il y a comme une main et une lettre. C'est même pas ma couleur. C'est une carte d'invisibilité. Fuck! Ok. Je passe la main, tu sais, entre la tête, voir vraiment, tu sais. Tu le saignes là, mais. Pour qu'on puisse en avoir. Y a-tu autre chose? J'imagine pour que. Est-ce que tu rentres ta main? Ouais, moi je rentre ma main. Y a un autre sort dans le cap. Oh! Si j'en rentre ma main encore. Y en a un troisième. J'en pitch une à Madeleine. J'en pitch une à Squeak. Fait que tu trouves un coup que tu as sorti les 6 caps, il y a comme un message, tu pognes un papier, tu le sors, elle fonctionne jusqu'à demain matin. Ok. Oh, ok, c'est bon. Fait que là, combien de temps avant que les gars y reviennent? Veuillez retrouvez-moi à l'auberge des Feux Argentés. À l'intérieur, vous allez trouver, à l'intérieur de la lettre, vous allez trouver une clé. Ne montrez rien de vous sauf la clé au passeur. Ok. On se retrouve au casino. C'est-tu la clé de la salle de meeting? Non. C'est pas la clé de la salle de meeting! Oh, c'est excitant! Oui, mais. C'est une fun. Hey, on devrait pas se servir de la carte d'invisibilité pour aller sauver. Il veut aller. Gros jambon! Il me rappelle plus de son nom. Oh, merde! Je me rappelle plus de Dragomir. Je me rappelle plus de son nom. Ok. Fait que là, on attend très impatiemment. Ils sont où? Fait que tout le monde arrive. En tout cas, moi, quand j'arrive, j'ai la tête basse. Ah oui, on se met toute la cape sur le dos. Ok, j'ai une idée. On se met toute la cape sur le dos, là. Là, on se cache dans les coins, là. Puis là, quand ils vont rentrer, ils vont se mettre à jaser, puis on va juste faire la cape. Je m'en vais au bar. Je suis là. Au bar, toi. Ben oui. Tu sais, tant qu'à attendre les autres, moi, je pense qu'ils sont pas revenus encore. Non, non, aussitôt que vous rentrez, c'est comme. Ils sont pas dans la chambre, ils sont rendus en bas! Moi, je vais à la chambre. Ok. Tu t'en vas à la chambre? Ok, bon, on va à la chambre d'abord. Je vais pingue, je vais pogner une fesse. Fait que j'ouvrais la porte, y'a pas personne. Ben, tu sais, moi, j'ouvre la porte, puis il est pas. Non, il a suivi. Non, il a j'ai suivi, là. Je pensais qu'on les attendait en bas, mais bon, je comprends, ça va être dur d'expliquer ça à Flair, je comprends pas. Oh. Ça me fait vraiment de la peine, sérieux, ça vient me chercher. Ouais. Tu te fais ça de fesse. Charles, bonsoir, man. Ouais, c'est ça. Moi, je suis prêt. J'ai souffle dans l'autre oreille. Ça va des attaques avec des avantages, mon pote. J'ai souffle dans l'oreille, moi, je vais swinguer. Puis moi, je prends sa bouteille de vin. Oh, c'est un nom de. La flotte des airs. Moi, je suis là, pis j'attends d'une, mais tu sais, comme avec la cape. Ok, ben moi, je fais genre comme je pogne la bouteille pis tac un coup. Ok, fais un attack roll avec des avantages. Je suis là, dans mon oreille, je pointe un beau 23. Avec des avantages, tu touches. Il pogne ça. Stop! Attends, la cape à poil là-dessus, mais là tu vois Flair. Mais Flair a couché sur le dos. Tu vois juste une paire de jambes. Désolé, mais je fais les dégâts. Ah hein. Oh, ouais, vas-y. 4, je mets pas le dégât, let's go. Ah ouais, 8 de dégâts. 8 et. Ah ouais, tu touches pas à la bouteille de 15. Moi j'ai tapé à 15 avec ma sword.
T'as-tu pas été tracking? Je pense pas. Non, moi, tu me pas deux. Je pense pas que tu touches à Zesma. Je pense pas que je te touche. Là, deux de main, là. Tu sais, ça fait ping! Puis là, hein? Mais y'a rien, genre. Puis là, je me recule d'Homer, je dis présentez-vous. Mais là, t'as vu en même temps. Ouais, mais. T'as deux jambes dans les airs, tu me vois déjà à terre. Moi, je suis de même comme ça. J'enlève un gars. Hey, c'est moi là! Êtes-vous malade? Hey! C'est des cadeaux de Valère, genre! T'as-tu vu ça? Des cadeaux de Valère! T'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu ça! C'est qui que j'ai frappé? Moi, je vais me sonner à toi. Je pense que c'est Flair! Je vois les jambes là, je pogne la cape là, oh non! Oh non! Finalement, le 3 millions, tu peux le récolter! Je suis correct, je sais pas boire! Je pense que je vais lui donner une bouteille de whisky, j'en ai deux! Mais, c'est quoi son problème? C'est quoi une dimension? Une carte d'invisibilité, tu en répètes quoi, attends? Pas ça! C'est moi, j'aurais peut-être agi avec un peu plus de sagesse étant on a peut-être des ennemis ici. on avait pas le choix de suivre, c'est les instincts primals d'Artémis qui nous a dit de faire ça, puis il faut suivre ses instincts primals. C'est pour détendre la écoute, je suis désolé pour le coup, je t'ai donné. Tiens, voilà une bouteille de whisky. Non, c'est j'en ai deux. Moi, je tiens à m'excuser au nom de la. Je peux pas faire ça, mais je suis vraiment désolé, sérieux. Je viens d'apprendre quelque chose qui m'a vraiment traumatisé par rapport à la crime des héros. Ça m'a marqué. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, premièrement, il y a trois personnes qui ont mis le contrat sur ta tête. Ton frère, ta sœur, puis un inconnu. Puis l'inconnu, j'ai des bonnes idées que c'est le big boss des minutes. Okay. Ouais. Alistair. Oh. Autre chose, je suis désolé pour ta mère. Vraiment. Ben, il nous a dit que j'ai comme fait des 1 plus 1. C'est ça, puis Caladorn en faisait partie. T'avais Caladorn. Et oui, je te le dis. Et oui, j'ai une kill list. C'est bon. Elle a une kill list. Et il y avait 3 autres personnes qui sont mortes. Ça va se faire, je te donne un épée qui est déjà mort. Elle a une kill list. Il y en avait 4, il y en a 3 morts. À peu près en même temps qu'ils ont collecté. Fait que ça donne une idée que Caladorn, c'est un moyen fielon. Oui. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est mon père. Peut-être aussi. Plus l'impression que c'est son père qui. Surtout s'il a tué sa mère. Pour avoir mis le contrat. Puis, c'est ça, la personne qui avait émis le contrat, c'était la mère du patriarche. Ta grand-mère, le père. Ta grand-mère. Mais vous savez que la grand-mère, il y a quelqu'un qui l'a tué. C'est moi, c'est le patriarche, je sais. Puis là, ben justement, moi, justement, c'est pour ça que j'ai dit, parce que je fais comme genre, il y a eu une bonne raison. Tu sais, il y a eu vraiment une bonne raison. Puis je me demande aussi, tu sais, parce que le contrat stipulait que ça prenait une servante et sa fille. Je doute que le contrat ait été accompli complètement. Si je sais pas. Et voilà. Fait il n'y en aura pas de facile. Puis. C'est ça. Ok. Il va t'avoir mort. Bon, des détachements. Ils m'auront pas. Puis s'ils vont m'avoir, je vais être morte. Fait que. Ben, d'après moi aussi, je serais mort rendu à ce moment-là. Désolé pour le coup de poing dans le visage. Non, mais là, c'est ça. Valette nous a envoyé des capes, puis il veut qu'on aille le rejoindre au feu argenté sans montrer à rien de nous-mêmes. Là, mais comment qu'on va rentrer là? Apparemment. On a une clé. Ouais, on a une clé. Apparemment, on a juste besoin d'arriver avec notre cap, sortir la clé, m'envoie la clé. Est-ce que c'est quoi qui est au courant? Oui. Oui. Ils ont fait le cap comme avant? Oui. Il y a une cap à la grandeur de Squid. Il s'est pas montré encore d'ailleurs. Squeak s'est pas montré, il est juste pas là. C'est pas lui. La cape est juste bonne jusqu'à demain matin, fait qu'il faut aller le rejoindre là ce soir. On peut-tu sortir Dragomir, Lompré? Ok. Avec les capes et après ça aller là-bas. Ok. Moi c'est ça. Ben, moi je pense qu'il faudrait aller voir Valen first. Moi je vais aller Valen first. Mais là, y avait-tu précisé un ordre ou.
Il a juste dit d'aller là. Il a dit ah, venez me rejoindre là. Ok, venez me rejoindre au feu. Mais il faut vraiment, il faut pas qu'il y ait rien de nous, il a dit. Capable de discuter. Ben, on a une carte d'invisibilité. Carte d'invisibilité et une boule de silencio. T'entends rien, tu vois rien. Ça va bien. Donc, je vais faire du bruit pareil. Ok, fait qu'avant de sortir de la chambre, parce que je sais pas que on est sorti de la chambre de jeu, je pense qu'on est là toute la soirée. Mm-hmm. Je fais silencio, on met nos cartes, puis on y va. Ok. Puis on reste collé, là, quand même un peu. Ben, en tout cas, à ce qu'on pense. Mais comment qu'on peut savoir si on est collé si on se voit pas? On se touche. Moi, je vous vois, là, je vois tellement ça cinématographique. Ils sont tous collés un sur l'autre, puis ils avancent, qu'on se tire. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On tient la cape de l'autre. Non. On tient, mettons, un des bras, genre, à travers la cape. Artemis, pas les fesses. Les deux, on est à travers les cartes. Fait que, c'est ça. On embarque. On s'en va dans deux. Ok. Vous arrivez, c'est le passeur. Quand vous arrivez là, c'est le passeur coloré. Ok. Ces couleurs sont toujours aussi belles. Ouais! Il a l'air. Plus fait que là, quand tu présentes ta clé. Oh! Chut. On m'appelle en haut! Boum! On va embarquer. Est-ce que vous montez à bord? Ben oui, oui, oui. Ah ah! Puis là, les ailes de libellule sortent, puis. Super subtil! Bravo! Vous avez oublié de faire votre salut, Monsieur Squeak. Ouais, mais avec la cape, c'est plus dur. Oh, il est shit! Mais de toute façon, avec ma voix, il fallait. Mais il est rentré dans notre bulle de silencio, fait. Ouais, puis il parle! Fait qu'il peut vous parler. Ben oui. Ouais. Fait qu'il est dans la bulle. C'est ça? La bulle fait 30 pauses, hein? On est dans. Ah, ouais, ouais. Ouais, mais c'est parce qu'il est pas supposé vous voir, hein, puis. Il nous voit. Mais comment tu nous vois? Hein? Un bénéfice de travailler pour l'archimage. Mm-hmm. Pas beaucoup d'enchantements qui résistent. Moi, j'aurais pas posé cette question-là, mais. C'est quoi? Bah, j'ai pas de jungle, moi, pas de fil. Yacoste. Toujours un plaisir. Effectivement. Bonne soirée. Vous aussi! Amusez-vous bien. Merci. Ah, c'est sûr, là, on enlève des capicans. Ben, on les enlève pas. Moi, je l'enlève à Lille. T'arrives à Lille. De toute façon, vous arrivez à Lille, vous mettez le pied dessus. Tu la casses. Elle disparaît pas, mais vous voyez. Ok. Ah, bon. On voyait les capes grises, les enchantements de l'archimage. L'auberge, contrairement à la dernière fois que vous l'avez vue, qui avait commencé à grossir, le kit, est revenue à 5 pieds par 5 pieds. Ok. Il n'y a personne là-dedans. Pas grand monde. Valen doit être au moins là. Regarde, on rentre au bas au casino. Ouais. Ok. Fait que Valen a reçu la production de l'archimage, ça c'est intéressant. Il y a encore les mêmes golems que la dernière fois. Il y a beaucoup moins de monde. Il y a comme 5-6 personnes. Puis contrairement à ce que vous aviez vu, c'est que c'était des gens très affluents. Là, vous voyez comme une petite famille, un père et une mère qui ont l'air d'être des fermiers avec 4-5 enfants. Ils sont protégés. L'archimage a l'air de prendre des familles. Puis les amener là pour les protéger. Fait que c'est plus ça que vous voyez. Un peu plus loin, vous voyez une femme assez grande, à chevelure verte, que vous reconnaissez. C'est quoi? Adrianis. Adrianis. Qui vous regarde, puis elle rentre dans une autre porte. Elle fait bien de se sauver. Elle a fait un bonjour. Elle a levé la main. Aller dans une autre porte. J'ai fait un bonjour en retour. Ouais. Là, on essaie de trouver Valen. Casino est désert. Il y a juste les golems qui sont au-dessus des tables. Il y a comme une table centrale, exactement la même table où vous aviez vu Valen la première fois. Puis dans le milieu de la table, il y a un chat. Oh, regarde le beau chat! Le chat qui nous suit. Puis Valen est assis là. Il est dans son accoutrement plus voleur avec le hood. Là, il enlève son hood. Il est après lire un livre. Bonjour! On part quelques jours et ça part à la débandade. Bon, peut-être pas, jour, oui. Suivez-vous.
Je ferai mon accoutumé silencio, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Quel bon vent vous amène? Du nord. À part les 400, 500 personnes qui s'en vont vers le nord avec un dragon, semi-démon, on venait rapporter ça, plus la gang de Fontaine, plus tout ce qu'on a vu ici, moi je capote. Je veux savoir ce qui se passe. Vous êtes parti pour le Havre. Oui. Oui. Dragomir était en train de chasser ce qui restait de la maison au milieu, avec l'armée. Il y a eu des mouvements dans la maison Orom, dans l'armée de la maison Orom. Certains sont partis vers le Havre pour vous porter main forte. Mm-hmm. Et quelques temps après, le patriarche lui-même est allé voir Dragomir et a ramassé tous les hommes qu'il pouvait et les a tous envoyés au Havre. Ça tentait? Il est mort sur le coup. Oh. Oh shit. Mais sympathique. Ça faisait même pas 12 heures que son décès est arrivé. Ils ont lu le testament. Félicitations. Vous êtes maintenant Lady Flair Orham. Ceci dit, se rendre à ce poste-là va être plus difficile qu'on le penserait. Et donc, apprenant qu'ils avaient une sœur, ils ont mis à feu et à sang les loyalistes, dont notre cher ami le capitaine Dragomir. Mais ça va plus loin que ça. Le fait que vous ayez survécu et que le patriarche vous ait nommé a entaché l'Académie des rois. Ah, il y aurait même eu une saignée à l'intérieur de l'Académie. Ah ouais. Le patriarche n'y est plus. Pas le patriarche, le préfet. À qui t'en prie, il est pas bête. Le préfet? Il a été démis de ses fonctions. C'est qui l'a reçu? Qui est en charge? Un dénommé Mordecai. Il est remplace, étant lui-même un préfet en ce moment? Ouais. Ça vous dit rien, ça? Historiquement? Pis ça, tu sais, ça te. C'est ça pas normal parce que c'est normalement, ils prennent un préfet ou une personne renseignante. Non, c'est. Mais là, t'avais écrit quoi dans ta lettre? Il y avait rien de. Non, c'était qu'il y avait, un, il y avait des dragons. Okay. Puis, j'ai le dragon. Là, il va rien faire. Dragon, démon. J'ai parlé de ce qu'on avait fait ensemble. J'ai pas mentionné de nom. Non, c'est ça. Mais ça fait de quel courant du contrat que t'avais eu? Oui, malheureusement, ils ont des dossiers sur fait tout. Ils savent que t'es avec moi. Non, parce que non, le contrat, par exemple, pas stipulait précis, pas, ouais. Était vraiment pas précis, parce que ton père était quand même... Le contrat, ça disait qu'il fallait que je te protège, c'est ça que ça disait. Ouais, ça disait pas j'étais qui, c'était. Non, puis même, je pense que les gens, ils rencontreraient qui qu'il fallait qu'ils protègent un coup arrivé, ouais, c'était ça, comme full... Pas que tu le saches. Ouais, ça, fallait pas que tu le saches, mais il y avait pas de description, rien de qui t'étais. La seule personne qui avait une description puis qui avait plus de chance, c'est lui. Mm. Puis il n'y a rien qui a été écrit. Tout a été fait en parole. Mm. OK. Et donc, la faction loyaliste s'est opposée à certaines décisions. Ils en ont payé le prix. Ouais, sauf que le Dragomir peut pas rester là. Puis c'était quoi le monde dans ton cas, je me suis. C'est Naïvara, mais l'autre aussi. Non, Dupré. Dupré. Naïvara est une des miennes, et elle est encore là. C'est parce que c'est pas si facile de sortir une autre. On a une garde le soir. Dragomir, c'est leur... Ouais, je comprends. C'est le prix. Mais la carte d'invisibilité avec des Thieves 12, ça marche pas. Même là, il y a tellement de gardes, ils vont voir les menottes se libérer. Il y a encore du monde loyal. Avec une distraction? Peut-être.
peut-être. Au Haram. Et un marteau. Il y a beaucoup de gens qui sont loyaux au Haram. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas qui est Haram présentement. Je comprends pas. Faut que je sois quelque part. Puis on... Faut que je rentre en maison. Je suis mon frère, ma soeur. Puis on passe à autre chose. On peut aller à on peut faire ça. Si seulement ça serait aussi simple. Oui, exactement. La maison. Ça serait aussi simple, dame. Ça serait fait. Mais non, mais pas. Pointe sa dague, là. Ça serait fait. C'est pas si facile. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont plusieurs soldats, plusieurs magiciens. Et plusieurs précautions. Faut dire que c'est courant, hein? Des vendettas comme ça. Ouais. Donc. Mais tant que tu fais un, tu fais comme si c'était l'autre qui l'avait fait. Oh, mais c'est parce qu'il faut que tu te rendes, c'est ça le problème. Ben, dans ta logique, on te livre, c'est réglé aussi, tu sais. Oui, mais regarde, je suis. Lady Stacy, puis l'autre, elle aime ça sortir avec du monde affluent. On joue le rôle, moi, père Artemis, puis. Ouais, mais Gisèle est partie à Sycophore. Hein? Oh. Ah, mais si tu veux, on te livre, hein, tu fais. Elle est partie devant le Sénat. Oh. Faire annuler le testament. Oh, ça bouge. Tu fais combien de temps elle est partie? Quelques jours. Dans le fond, hier. C'est 28 jours. Elle avait qui avec elle? Plusieurs gardes. On parle de quoi? 5, 10, 20, 50? Une soixantaine d'hommes. À pied. En armure d'apparat. Ou des mauvais soldats? Garde personnelle. C'est une garde personnelle dure à dire. Je l'ai jamais affronté. Pas formé par Dragomir, ça c'est sûr. L'auberge, c'est un endroit sûr. Et sinon. Ici, oui. C'est n'importe qui pourrait venir ici et être en protection. Oui. C'est quoi qu'il faut faire exactement pour réclamer la légitimité de mademoiselle ici? Le problème, c'est pas la légitimité. Vous avez vos bagues? Mm-hmm. Justement. Pourquoi qu'elle est bleue? Êtes-vous loyal? Mais la mienne aussi est bleue. La mienne vous identifie pour qui vous êtes. Ok. Êtes-vous loyal? J'ai été jusqu'à date. C'est ça. Elle est bleue. Oh. Donc, ils identifient les loyalistes de cette façon. Si on met la bague sur quelqu'un, ça va être. On va changer de couleur. Tout dépendamment de la loyauté de la personne. Elle soit capable de voir qui est loyal ou pas. Exactement. Ça, c'est bon. Ça. C'est le dernier sortilège de votre père. J'avoue que c'est assez. C'est lui-même. Mais en même temps. Elle est rouge, non, c'est bleu. Pense à Squeak. Elle va être neutre. Elle va être noire. Squeak, elle brille pas. La bague fait rien, tu sais, comme. Il est juste trop. Civilisation. Et toi? Elle est bleue? Okay. J'ai même pas eu peur. Fait que je marque mes. Ben non, je remets sur mon collier. Dans. Caché. Et. La bague peut vous identifier. Donc, c'est pas ça le problème. C'est même si l'identification se ferait. À moins d'avoir une armée. On a une centaine de gobelins. Je pense pas que ça va être assez, Monsieur Cassius. À moins que vos gobelins soient. À moins qu'il y ait des forts dans le métier qui ont été les Goliaths. Les Goliaths? On aurait une armée de Goliaths. Vous affrontez des hommes armés. C'est des Goliaths. Je pense qu'il va falloir jouer une game beaucoup plus longue que ce que vous pensez. Vous réglerez pas ça demain matin. Ça, c'est clair. Ok, ben peu importe. Dragomir, Niavara, puis l'autre que j'ai. Dragomir, Niavara, puis. On peut les libérer, mais pour les envoyer où? Ici. Ici. C'est temporaire. Wow. Et Dragomir vous servira pas ici. J'ai pas besoin qu'il me serve, j'ai besoin qu'il reste vivant. Dragomir est votre meilleur atout, Dame Fleur. Oui, je sais. C'est le meilleur soldat, c'est quelqu'un qui est aimé. Il est capable d'arranger quelque chose avec votre aide. Au havre? Au havre? Non, tu l'envoies à Sycophore pour s'assurer, tu sais, qu'elle a ouais, pas le testament. Non! Ça, c'est votre travail à vous. Oh. Mais sûrement pas à moi, là. À nous autres. Si elle en appelle au Sénat, vous avez le droit de contester.
Je suis censé me présenter, Lady Fleur. Non, mais est-ce qu'il y a pas de danger? Ah, il y en a. Non, pas pour des l'académie y est pareille. Il y a un contrat pour 3 millions pour mon type. Ça, ça je peux pas juste me présenter. Puis encore là, comme Valène vient de dire, l'académie se passe des choses étranges aussi à l'intérieur. Oui, mais vous pouvez demander une protection spéciale. De l'académie? Non. Plus fort que ça. Il est plus fort que l'académie? C'est là. Il n'y a rien de plus fort. Je veux essayer de contacter les arbalétiers. Non, c'est pas vous. C'est elle. Elle se présente avec sa bague. Aux arbalétiers? Aux arbalétiers. Les autres sont loyaux. Capitaine. Ils sont loyaux à la loi. Oui, j'avoue. Ils vont l'escorter et la protéger. Mmh. Seule chose... Capitaine. J'ai un contact là-bas. Ouais. Je check les noms, je m'en souviens plus. Je te dis la prochaine fois. Là, c'est trop de noms. Là. C'est comme... Et ça fait longtemps que je n'ai parlé de lui. On a parlé une fois. C'est bon, merci. C'était des one shot en ouais, plus. Moi, en plus, c'est loin. Là. J'ai pas mes notes avec moi. Je m'excuse. Je suis pas un dictionnaire ambulant. Vous pouvez demander sa protection. Seule chose, c'est une game politique. Il faut que vous soyez capable de mettre le Sénat de votre côté. Et un coup que c'est fait, il va falloir que vous vous cachiez. On connaît votre visage, puis eux ont la force de frappe. Puis les gens ici ont tellement peur. Puis voilà. Qu'ils bougent plus fort. Merci. Ils bougeront pas. Il va falloir que vous arriviez avec une force. Les arbalétiers sont une force. Mmh. Les arbalétiers bougeront pas pour un conflit interne. Mmh. Une force physique, une force de frappe. La vision de madame. Tout le monde fait notre destinée. On a une grosse armée, on élimine les méchants, on élimine pour prendre le contrôle. Mais ça, compte, ça commence par annuler le contrôle. Encore ces visions! Ouais. Ça va être un pattern. Donc, c'est toi qui as le dernier même sous Draco sur un temps. Je comprends vos idées. Squid, non, ça marche pas de même parce que. Madame Aurum est présentement en route. Oui, mais on va régler ça. Après ça, on règle le problème de tout le monde. Après ça, on fait l'armée, puis on sauve. On n'a pas le temps. On va déjà avoir aussi beaucoup de personnes à nos trousses. Le truc va être annulé. Le testament va être annulé. J'ai dit que c'est ça qu'on faisait en premier. On va là. Après ça, on règle le problème. Après ça, on va avec notre armée. Mais non, tu vas là en personne. Tu vas voir les arbalétiers. Tu vas contester, blablabla, conteste. Là, après ça, faut se sauver parce que tu vas essayer de te faire tuer. Tu fais ton armée, tu t'aides tout le monde, puis là, on retourne avec l'armée. Puis on sauve le monde, on tue les méchants, elle se venge, puis c'est réglé. Moi, je dis qu'il faudrait peut-être essayer de sauver un maximum de loyalistes. Non, mais on sauve. À ce sujet. Premièrement, vous allez devoir quitter la ville. Vous ne pouvez pas rester ici en toute sécurité, c'est impensable. Moi, je peux. Fait qu'il va falloir que vous me faisiez confiance pendant un petit bout. Oh! Il ouvre sa chemise, il en sort une pareille. Okay. Je la mets dans le doigt, par la bleue. On est-tu capable de se parler dedans? Non. Enlève sa bague. Pourtant, moi, quand je parle à mon doigt, il me répond tout le temps. Sure. Très bien. On va sauver Dragomir. S'il arrive quelque chose. On va sauver Dupré. On va sauver Vera. Avez-vous un endroit où je peux les envoyer? Et le Havre n'est pas une solution. Ça, c'est juste de pointer une cible sur votre famille. Tribu de gobelins. J'ai une mauvaise idée. Oh, la tribu laquelle? De gobelins, c'est la tribu de gobelins. On a une tribu de gobelins à Pacifique avec qui on fait affaire qu'on pourrait les envoyer là. Vous l'envoyez Dragomir dans une tribu de gobelins? Avez-vous une meilleure idée? La tribu de Goliath. C'est juste que je me demande qu'est-ce qu'ils vont être quand vous allez retourner. Des très bons combattants. Des très bons combattants, oui. Des très bons combattants. Des gobelins les plus entraînés de toute l'histoire des gobelins. Puis t'as une tribu de Goliath qui est pas long, mais ça, c'est faudrait savoir. Ça se fait là. Il y a une discussion entre des Goliaths puis des gobelins qui se font à cet endroit-là. Pour s'allier ensemble. Pour s'allier ensemble pour des. Ça vous fait combien d'hommes?
100 gobelins, puis les Goliaths. Ouais, mais à l'heure qu'il est, ils sont peut-être rendus 104. Ça sera pas du bien. 6 mois, on va être 300. Ben, sans mentionner le petit village à côté, et tout. Ça serait l'endroit le plus. Bizarre pour cacher quelqu'un, mais. Ou ce que personne penserait. Il va falloir que vous l'ameniez là. Oh oui, ouais. On peut aller vérifier qu'est-ce qui se passe avec les gobelins. Ah, tellement. Mais en effet, ça serait. On va aller surveiller ce plan. Mais là, tu dis qu'il faut que je m'en aille, fait qu'il s'en vient avec. Je peux aller libérer mon. Vous allez pouvoir libérer votre beau capitaine. Son futur mari. Ouais. C'est ouais! C'est ce que je veux plus! Ouais! Tout le monde, là-dessus. Bon, d'accord. Ça, ben, tout pour votre beau mariage. Non, il est pas marié. Non, non. Mais rajoute un nom sur sa liste. Elle a une kill list. Bon, pire. On est rendu loin. Ok, donc. On va faire ça. Ça va nous prendre une distraction. De quoi? Quelque chose de gros. Un de ces deux. Un feu. Faut que le faire quelque part. Je peux aller essayer de détacher quelqu'un qui a pas rapport. Ah ouais, il roule bien. Es-tu un building? Un building important. Important. Qu'on pourrait flamber. Pas sans faire de mal à des innocents. Hey, mais y'a-tu du monde qui sont pas loyaux qu'on pourrait flamber? Non. Mais on pourrait mettre le feu à certains raisins. Ah ben oui. C'est triste, lui mais... Qui je m'excuse, M. Caizo, mais force oblige. C'est triste, mais d'accord. La médaille, dans les bois. Non, mais le raisin, il est pas encore en vin. C'est sûr, si tu fous le feu dans une plantation de rhum, ça va faire la panique. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais. Désolé. Mais ça peut pas être dans les menus, il faut que ça soit dans les rhum. Oui, ça soit sûr. Ouais, mais ouais, de toute façon, il en reste pas grand chose des menus, hein, mais. Pas trop. Je vais pas défi. Vous aurez rien à faire. Votre travail à vous, ça va être de couper les soldats qui sont à l'avant. Okay. Let's do this. Et qui vient avec moi libérer le capitaine? Moi. Et ça me prend un deuxième volontaire. C'est moi, il faut que je l'île. Faut que je le soigne. Ouais. Je serais pas soigné aussi. Puis elle avec. Quoi, artiste. Elle aussi. Je suis soigné à ce temps. Non, pas moi. Non, non, je peux pas faire la diversion. Paladin! Allez, faire la diversion. Donc là, tu veux que nous autres, moi, je fasse le tough, que j'amuse, j'engage toute les gangs de champions qui s'en vont vers vous autres. Non, je vais envoyer mes agents, parce que j'en ai encore, mettre le feu. Quand ça va être bien parti, vous allez voir les gardes. Vous allez passer inaperçu. Il tient son regard dans celui du Squeak pendant un bail. Et vous allez libérer les gardes en avant. Pendant ce temps-là, avec les deux demoiselles, je vais m'occuper du capitaine. Vous autres, vous allez libérer. On va se retrouver à l'avant. Ouais, inaperçu. Parce que ça veut dire. On va te faire voir. Ben, on est une carte de visibilité. Oui, tu demandais qu'est-ce que inaperçu voulait dire. Mais ça veut dire qu'on peut pas faire voir. Une carte de visibilité. Il n'y a pas de silencieux. Il n'y a pas de son aussi. Une carte de visibilité. Ouais, mais on t'entend. On ne te voit pas, mais on t'entend. C'est comme quand on a joué le tour Cassius tantôt là, dans la chambre, là, puis on lui a fait peur. Là. En parlant de ça, y a-t-il quelqu'un qui peut me donner un petit heal? Ouais, je peux t'en donner un. Je suis désolé. Pas un cue. PAF! Je suis désolé. Je vais couper tout ça. Lady Flair. Combien de personnes peuvent dire j'ai frappé une lady? Ton spell casté à l'été. J'en suis pas très bien. Level fois 5, ton level de paladin. Que c'est 5? Tu peux faire 5 points de vie. C'est plus que bien. Ouais, mais ça monte à chaque niveau de paladin. 9. Je l'ai acheté un 9, genre. Ouais. Ouais. Ça me fait plaisir de te soigner. Et tu peux, si tu peux prendre 5 points de vie. J'ai jamais dit le dernier jour. Pour enlever une maladie soeur, ou lui soigner 5 points de vie. Ah, il m'a pas manqué. Non. Full damage. Full damage. En plus, avec des avantages. Ah! Critère, puis ouais. Ok, tu fais comment on le fait là? Ok. Est-ce qu'on touche à la bouteille de dessous là? Fait que vous êtes sur la petite île à l'extérieur à regarder. Puis à un moment donné, vous voyez du orange au loin. Ça va être l'heure. Ah, oh, c'est beau! L'autre, il ressort. C'est beau! Cap silencio.
Ok. Ça marche pas pour nous autres, ça marche juste pour nous autres. Ou, ben, c'est qui vient avec moi? C'est Zesmé. C'est toi qui Zesmé qui vient. Et Valen. Avant de partir, okay. Je demande une bague. J'ai rien de coupant, moi, pour couper des liens. Tout ça. J'ai tout ce qu'il faut. J'en ai une. J'en ai une, je vais te la passer. Ok, c'est bon, merci. Et anyway, t'as tes Thieves Tour. Académicien, Thieves Tour. Ça fait 5 ans qu'il l'a pas ouvert. Il l'avait vendu pendant un temps. Non, non, c'est vrai. Non, il est vendu mon sac de Thieves Tour. Je l'avais vendu pour de l'alcool. J'ai un chien de mère. Ok. Même le gobelet. Rien n'est pris. Moi, j'ai un bâton des fois. Ok. J'ai un gros taf de serpent. Bon. Non. Ben moi pis Yann pis Valen, on peut parler. Ouais. Oh ben dans le fond, je vais donner ma bille à eux autres pis nous on prendra la tienne. Fait que Valen, pis très bonne idée. Valen, malgré la carte d'invisibilité, il casse quelque chose. Il y a comme une espèce de brouillard. C'était vos pieds. Donc, pour ceux qui sont dans l'équipe de Valen, vous avez en plus Pass Without a Trace, ce qui veut dire que vous avez non seulement avantage sur vos stealth checks, mais vous avez plus 10. Ok. Wow! Nice. Donc, ils vous voient pas, ils vous entendent pas, mais... Au compte. Mais un 1, c'est un 1, tu sais. J'ai Zesmé, c'est déjà enfargé dans ses sabots, fait que... Faut qu'il n'y ait pas un double 1. Faut qu'il n'y ait pas quasiment un double 1, puis même là, ça va donner comme 15. Ouais. C'est ça. Fait qu'on se déplace en style pour aller... Ok. Fait que je vais commencer avec le plus difficile, puis on va revenir avec le groupe plus nombreux. Donc, vous vous déplacez. J'aurais besoin d'un stealth check. De Zesmé et de... Avec avantage. Avec avantage. 20. Avec le plus 10? 25. Ok. Plus 10, plus 5? Ouais. 31. Ok. Ok. Valen a eu 40. C'est pas de bruit qui se passe là. C'est plus 10, 19. Plus 10, 29. C'est comme le tirage de commence 4. Fait qu'il y a rien. Il s'efface de l'espace-temps. Il change d'édition. Hein? Il change d'édition. Il tombe dans la quatrième édition. Dans la quatrième édition. T'es trop cool. Fait que vous arrivez. Il y a un garde qui est pas le soldat chantier. Ok. Qui est d'eau. Un Valen. Il sort sa dague. Il va en arrière. Avec le pommeau. Je ne voudrais pas parce que ça serait dégueulasse, mais il fait un sneak attack dans le fond. Ok, fait que je vais prendre un pour le décrocher. Je vais garder le gay. J'aurais besoin d'un perception check de ta part, puis Valen va le libérer là. Avantage, non? Non, pas pour ça. C'est le Dex, ton bonus de Dex, plus ton bonus de proficiency. Fait que ça. Ok, tu libères Dragomir. Puis là, quand tu te défais les chaînes, il tombe quasiment à moitié sur toi, fait que t'es obligé de le tenir. Ouais. T'as dit un billet, là, ça va le. Perception check. 13 de perception. Ok, tu vois rien. Valen, lui, il fait ça. Rick Nivera. Approchez-vous. Ok. Vous approchez. Il dessine un espèce de symbole sur ça. Il y a une porte. Puis il se dessine devant vous autres. Pas de chance. Fait qu'on passe en fait. Ouais. Ok. Et avec... vous vous retrouvez à l'extérieur de la ville. Nice. Fait que là, vous autres, tu sais, qui arrivent à arriver de l'autre bord, vous allez comme. Oui. Ah ben c'est ça, moi je prends mon 5 points de vie que je leur donne à Valen. À Dragomir. Ben les deux là, Navarra aussi. Navarra est resté avec. Ah oh, oui c'est vrai, elle est restée avec. Il l'a pas amené avec vous autres, fait que tu touches Dragomir et tu vois certaines de ses plaies comme à rendre. C'est qui... Ouais pour l'instant il a l'air comme out of it un peu. Messieurs, ça va me prendre des stealth checks. Avec avantage à cause de la carte, mais pas, plus, pas de plus 10. 9. Avec avantage. Non, c'est plus 16.
13, 22. Ça, c'est 22. 22. 22. 22. Et combien, Cassius? 13. Avec avantage. Mais là, le monde ne le voit pas, fait que c'est... Chling, chling. Tu regardes. Qui va? Là, je le fais pas pour vrai, là, mais... Oui! Mais on avait, oui. On avait le silencio, par exemple. Non. Ah oui, vous l'avez activé. Ouais, mais ça vous a juste donné avantage. C'est la même chose pour la carte. Ouais, mais. Ça change rien, les deux. Parce qu'il peut accrocher quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. C'est un garde différent que tantôt? Ouais. Je suis stealth à deux. Je peux-tu m'approcher de lui le dos? Oui. Sortir de la bague, puis juste toucher avec la bague. Avec la bague. Ça va-tu marcher pour voir s'il est loyal? Tu peux l'essayer. Je fais un slide of hand, parce qu'il faut pas qu'il. Juste avant mais ça marche et tu fais juste toucher. Je sais pas. On va savoir là. 14. T'essayes-tu d'y mettre dans le doigt, genre? Qu'est-ce que comment tu fais? Je veux juste prendre la bague et toucher dans le cou avec. Qu'il y ait un contact avec la bague sur lui. Ça fait rien. Ça fait rien. Moi j'ai eu 2 mains. T'es bon. Pour faire quoi? Je sais pas, j'ai juste mon seul main. Je vais en parler à tout le monde que j'ai eu 2 mains. C'est bon. Facilité. Ils servent à rien. Bon. Okay. Hey, elle, c'est pas. Fait que là, on est rendu. Fait que là, vous voyez. Non, vous le voyez même pas. Vous voyez une bague. Apparaître. Apparaître, touchant le cou du garde. Là, c'est. Non, c'est ça, tu vois, tu vois plus. Il a essayé quelque chose. Peux-tu essayer de knocker le garde qui est là? Il est tout seul? Tu peux essayer. Tout seul ou il y a d'autres personnes avec lui? Non, il est tout seul. Ok, ben, je vais le knocker. Ben, vas-y. Chope ton cil. Ok. Le 25. Touche. Ma rapière. J'essaie de le prendre, de le knocker. Fais le dommage. Mais je... Vas-y. T'as pas de sneak attack en anglais, t'as moins de. 4 de vie. Oh! Le genre pique encore. Tu touches! Tu sais que t'aurais pu le distraire, hein? Je suis rendu à 8 de dégâts. Ah! Initiative! Parce que là, je peux-tu juste m'en mêler? Oui, vas-y. Juste parce qu'en attendant, tout ce que je fais, c'est que je fais une distraction. Ben, je fais mon initiative ou là? Ouais, initiative. C'est qui qui est la fin du silencio, là? Je sais pas. Mais au moins, je le mettrais dans le silencio pour qu'il n'y ait pas de bruit, là. Ben, il est dans le silencio, mais j'imagine que vous êtes dans le train, mais c'est parce que tu vois une rapière tout seul qui commence à frapper le gars, genre. Fait que moi aussi, j'ai fait comme genre, on va aller voir là-bas. 18. Combien? 11. Squeak, t'en mets-tu ou t'es comme? Moi, je vais libérer le gars pendant ce temps-là. La seule qui fait la mission, c'est Squeak! Mais c'est parce qu'après ça, ça va être facile de libérer le gars une fois que lui. Squeak, il a déjà commencé. C'est juste que je me rends pas en haut. Tu vas grimper. Il sera sûrement l'écureuil, il va aller bouffer les cordes. Des cordes, ben oui. Pourquoi pas? Ok, ben c'est Kaizo qui commence. Ah, c'est ça. Ok, bon ben une attaque. Vas-y. Un critique. Kaizo est en feu. Oh wow, je pogne un 1 là-dessus. Tu tires 2D vu que t'es crit. Puis il y avait 3, fait que ça fait 4 plus 4, fait qu'on va faire un 8. Fait qu'avec un crit, tu fais autant de dégâts que t'as fait à flair. Oui. Non, mais plus 4, c'est comme un peu. Non, c'est de plus 4, il n'y a pas de bloc. J'ai fait 1 et 3, ça fait 4. Plus 4, c'est exactement ça. Okay. PAF! Oh! Avec un coup de poing maintenant. on va y aller à 14. Ça touche. Ça fait 7. Ok. Hey, wow. Non, il est juste... Il est dans le camp. Il est piqué, il y a comme 3-4 bleus par. Est-ce loyal ou non? Il met sa bague au doigt pendant qu'il est dans le camp. Et voilà, rouge. Il est mort.
C'est pas grave. C'est loyal. Avec les clous! Si, bon, Cassius vient d'ouvrir. Okay, il est tranché à la gorge. Moi, j'essaie de trouver quelque chose dans la rue pour juste couvrir le cadavre en attendant. Il est plein de sang partout, il y en a partout dans la rue. Il vient d'ouvrir la gorge. Oh, c'est pas grave, je veux quand même mettre de quoi par-dessus. Tu sais, une flaque dans le noir, c'est déjà moins pire qu'un gars couché à dans la flaque dans le noir. C'est bon. Tu roules sur le côté. T'as juste kické son corps dans un fossé. Ben, c'est ça, je crois que j'ai une crise dans le fossé, je le cache. Okay. Pendant ce temps-là, mon petit écureuil, as-tu grugé les câbles? Fait que toi, tu vas te transformer en écureuil, fait que la cape va. Non, les. Non, quand il se transforme, le gear reste à garder avec. Ah, c'est vrai. Tant que l'animal peut. Mais t'es plus invisible. C'est ben, ça l'affaire parce que. La cape chez moi. Ouais, mais non, la propriété magique. Fait que. T'as la cape sur toi, oui, mais t'as plus la propriété. Fait qu'il y a un écureuil qui est après grugé. Moi, je traîne la corde. Tu traînes la corde, tu vois l'écureuil, puis là, tu vois le sergent du prix faire. Ouais, il est tombé de. Puis là, il commence à libérer tout le monde. Puis là, pendant ça, vous voyez comme un. Magique. Puis vous voyez les filles sortir d'une porte avec Dragomir. On va y aller, hein? Thank you, folks. On libère tout le monde. Nos affaires sont où? Flagon vert. Ben, en tout cas, moi, je retourne au flagon vert. Ok, ça va chercher le stock. Ben oui, allez-vous-en, je vais aller vous rejoindre. Allez, je vais t'aider. Ouais, pas trop. Je vais me rendre là invisible jusqu'à ma chambre. Ok. Puis. Oublie pas de payer Sam. Ouais, je vais payer Sam. Puis, j'ai entendu la panique dans la ville au feu. Ouais, il y en a une gang qui ont crié. Mais. Fait que, mais ce que je vais faire, je vais. Ah, le feu, où ça, plantation avant? Ouais, mais t'es pas en 4 non, mais c'est ce qui est allé dans la chambre. Okay. Ça, dans ma tête, on était dans la chambre. Ok, c'est ça que je veux faire. Ah, ok. C'est bon. Je suis le mot. Oh oui, il y a feu dans les raisins! Ouais, on va les aider, on peut pas laisser faire ça. Fait que là, je vais voir Sam, puis je dis merci. Nous, on va y aller. Pardon. Et on se laisse. Okay. Combien? Combien t'es bon, tu sais? C'est combien? Yes, non. Ouais, je vais avoir mon charge. Tu ramènes tout le monde. Fait que là, vous avez commencé à vous en... Puis, comme 10-15 minutes plus tard, vous les voyez arriver avec les rides. Et sur Sultan, il y a quelque chose que tu remarques de plus accroché à votre cheval. Il y a un gros marteau. Oh, un petit cadeau. Non, oh, c'est je suis content d'avoir ça arrivé, je suis content! Il y a un gros marteau. Fait que dès que je vais arriver là, je vais regarder Dragomir, puis je vais... Tu peux prendre ton marteau, là. Dragomir, il est d'un bras flair. Ouais. Il est d'un pomme. Il est pas d'un pomme, il commence, il, comme, il a mis une main à terre puis il commence à se relever. Je vais prendre ses mains, je vais les mettre sur son marteau. Merci. Truc, tu embarques sur mon cheval. Ça va aller. Ok. Ah, il va être debout en a rien de temps, je vais se mener un petit écureuil pour les soigner. Là, je suis creux. Non, ça va peut-être être visible de loin, ça. Je vais y faire un soin, je vais faire un autre vite. Ok, bon, on va commencer à healer. Fait que ça fait 6. Ouais, c'est un peu facile à voyager ici. L'autre, ouais, c'est parce que t'en as une petite gang, là, vous en avez libéré 6-7. Fait que. Les autres vont essayer de suivre un peu, peut-être. Qu'on... Je peux en guérir. Un écureuil chaque, là. 7. Je peux en guérir 7 total. Ok. Ah, c'est vrai. Donc. C'est vrai, on a le même. Mm-hmm. Vous partez. Une gang de Soulon. Partez sous le couvert de la nuit et vous vous dirigez vers le village. Fait que vous êtes à 3 jours. Okay. Fait que pour pas me faire chicaner, parce qu'il y en a qui ont des choses à dire pendant les 3 jours de voyage. Moi j'ai quelque chose à dire, mais. À part que je vais essayer de, au moins, à chaque jour, je vais essayer de faire 2 sorts de soins à 3 sorts. Bon, mais ils reviennent un moment donné après le premier. Non, non, gars, moi je peux. Lui, il s'est vanté de pouvoir en soigner 4, là, 7, là. Moi, je peux en soigner 24. 34. 34. On n'a pas 34 personnes. Ben, vas-y, mon gars. Il va manger des mots. 10 par Healing Spirit. Tu peux faire 3 fois Healing Spirit. C'est 30 fois là. Après ça, 4. Ok, Squeak guéri. Tout le monde est full guéri. Squeak a fait un concours de qui pisse le plus loin avec Artemis. Lui qu'Artemis dise que. Pour que Squeak volontarise du healing. Mais bon. Fait que dans le fond, le point de victoire devrait aller à Artemis. Mais peu importe. Non, j'ai dit qu'il est healé.
après qu'Artemis a dit qu'il a volontarisé 31 heals après que lui ait dit. Ouais, c'est pas là, c'est vanté. C'est moi, j'ai tous mes spell slots encore. Lui a tout brûlé. Pour une journée. Tu vois, ils sont tous guéris. Là, Dragomir. Moi, j'essaie d'avoir un peu d'informations justement de Dragomir. Qu'est-ce que vous voulez savoir? S'il y a des idées sur comment t'approcher ça. Toutes les soldats qui sont avec d'autres sont loyales. On a fait la thèse de la balle, j'imagine. Oui. Puis sinon, y a-t-il d'autres loyalistes ailleurs? Probablement. Ils vont se lever quand ça va être l'heure. Mm-hmm. Si on les recrute pas avant. Certains sont dans la ville, certains sont ont fui. Ok. La plupart de la garde de votre père a fui pendant que je couvrais leur fuite. Donc, ils sont un peu partout, déjà en train de recruter et de travailler. Ouh! C'est vrai quand même, va falloir. Et en ce moment, on vous amène à un endroit un peu spécial. Je crois que vous allez avoir le défi de votre vie. On vous amène à un village gobelin. Mm-hmm. Des bons gobelins. Mais les gobelins commencent une civilisation à cet endroit-là. Et ils apprennent vite, surprenamment. Ils risquent aussi d'avoir une alliance avec des Goliaths. Si tout s'est bien passé dans les 3 derniers jours. Là. Très bien. On voulait juste vous mettre au courant. Mmh. On s'est dit que c'était un endroit qui allait probablement... pas soupçonné, hein, t'sais. Non, c'est pas sur aucune carte. Et voilà, c'est nouveau. C'est nouveau. Mais... Si ça vous intéresse, c'est la tribu des écureuils verts, puis le boss, c'est Squeak. Puis, je me sens déjà rassuré. Puis, l'avantage, c'est qu'en plus, là, il y a un bordel, puis on fait des bordels au caramel. C'est... Moi, je suis sûr que c'est une de vos idées, Monsieur Artemis. Oui. Une confiserie? Ouais, c'est ça. Ok, le message va mal passer. Puis il y a un humain qui est là aussi qui va dompter les chevaux. Joe. Il est très attachant. Et je tiens à dire qu'il aime les fleurs. Pourquoi? C'est juste une information que je vous donne comme ça. Peut-être pour vous aider. Qui sait? Ok. Ben c'est normal, c'est délicieux des fleurs, t'en manges de temps en temps, pis Sur une paillasse. Pas grand chose de changer. Non, je vois ça! On s'en parlera autour d'une bouteille à un moment donné, on va rire. Donc, autre chose? Non, ça va. On s'en va au sauna. En tout cas, j'y relais toute l'information que vous devez aller. On va reparler. Si, on va reparler aussi par rapport au dragon et tout le kit. Les maraudeurs. Avec les maraudeurs. Que la Gisèle est partie. Gisèle est partie à Sycophore pour faire canceller le testament. Puis Mordecai, t'as mis du coup, lui. Vous étiez à la bibliothèque, vous avez pas pensé de vérifier ça? Quelle verge les feux argentés. On était un peu pressés de sauver mon cher. Ah. De toute façon, on voulait vivre le démon. Si on se met à lire des livres, on va être aussi pire que le dragon démon. Peut-être que votre ami gobelin magicien dont vous me parlez qui serait au courant, c'est quoi un carcan? C'est ce que je pensais. Peut-être. Ouais, peut-être. C'est la prochaine personne à qui je vais demander. Autre chose? J'ai content de vous avoir parmi nous. Content d'être parmi vous. Vous faites votre 3 jours de marche. Quand vous arrivez, il y a 2 tours. Yes! De 3 étages qui ont poussé autour du village. Il y a des gobelins, mais il y a des goliaths avec les gobelins qui sont en train de bâtir des trucs.
Ensemble, yes! Les mains dans la main. Hey, c'est hey, de toute fierté! Mais qu'est-ce qu'on check a fait? Ça! Parce que Squeak qui est pas content! Non, non, c'est correct. Yep. Hey. Vas-y, reste à savoir si Squeak c'est un rendez-vous. Fait que là, tu rentres dans le village. Ouais. Fait que là. J'ai ramené de nouveaux amis! Vive la bosse! Tu vois, Squeak, tu t'inquiétais pour rien. Je me suis jamais inquiété. Moi! J'ai eu moins de deux épisodes. Wow, donc, il y a Splat qui est là en train de parler avec un Goliath. Bonjour, monsieur Goliath. Squeak! Boss Squeak! C'est-tu le chef des Goliaths? Non. Ou... c'est un autre Goliath. Il va voir le Goliath. Bonjour, monsieur Goliath. Que je connais pas le nom. Mon nom est Watamu. Watamu, bonjour. J'espère que votre chef a compris pourquoi il a dû partir. Oui! Good, good. Il était très fier de savoir que vous alliez ramener une tête de dragon. Peut-être de m'amener, là! Probablement pas. Je voulais! Monsieur, eux autres, ils voulaient pas! Mais comment il sait qu'il y avait un dragon, lui? Parce qu'il est pas mal tout déformé ce qui a été dit. Parce que vous l'avez dit devant Sprat, que c'est un symbole de dragon. Ah, les Goliaths, ils ont dit qu'il fallait qu'on fasse des tours d'observation. Ah, c'est... Toute une idée. Parce que ils ont expliqué qu'on vivait... C'est parce qu'il était cool, là. Ben, c'est pas le chef, c'est comme le chef de guerre, là. C'est Watamu. Il a viré sa chaise de bord. Donc, il était tout bien impressionné, tu comprends? Je comprends. Là, il nous a dit qu'il fallait qu'on fasse ça! Fait qu'on l'a écouté. Mais quand Cassius l'a dit, ça vous a pas... Oh, mais Cassius, il a pas viré sa chaise, c'est à moi. T'as vu? Virer les chaises, là! Pis monsieur ici, il connaît ça! Cassius. Bon, mais comment ça s'appelle ton mari, là? Ça impressionne les gobelins. Ton futur mari, là! Pardon? Comment ça s'appelle son futur mari? Toi, là, comment tu t'appelles déjà? Dragomir. Il pogne pis il te lève à sa hauteur, genre. Dragomir. C'est ça! Hey, Dragomir! Mais il refuse pas qu'elle vienne. Il a viré la chaise! C'est comme. C'est pour ça qu'elle fait. Putain, il continue d'être joyeux. Hey, Dragomir! Il a viré sa chaise! Tu peux pas l'intimider, c'est que tu veux. Il y a rien à faire. T'as-tu entendu? Il a pas dit qu'elle tombe dans la fille. Elle l'a rendu heureuse! Ça en prend rien pour être heureux, là. Fait que, ouais, c'est ça, boss. Fait que, on a une alliance. Je connais pas le mot. Avec les Goliaths. Mm-hmm. Donc, on a attrapé 4 nouveaux chevaux. Oh, non. Wow. 3 chevaux. Puis, ouais, ben, c'est ben, Joe. Il est bon. Joe, il au prix qu'elle me paye, là. Pis, les Goliaths, ils nous ont donné un autre animal! Oh. Comme à faire un élevage, c'est des chèvres. Des chèvres? Ah. Ça fait quoi dans la vie, ça, une chèvre? Ben, ça va dans les montagnes, mais ça fait du lait. Pis avec le lait, on peut faire du fromage. Du fromage de chèvre, c'est excellent. Ah ouais? Fait que là, les Goliaths ont décidé de rester pour nous montrer comment le faire. Ça fait pas mal à la chèvre. Ah, mais c'est correct, ça, David. C'est ça, mais et c'est en plus, ça. Ils disent qu'on peut couper le poil quand il est assez long pour faire de la fourrure! Ben, mmh, puis on n'a ben, pas besoin des animaux pour ça. Oh, merveilleux, ça! Ouais, super! Mais ça, d'habitude, c'est des moutons, c'est pas des chèvres. Non, des chèvres, c'est... Non. D'après vous, il y aurait de quoi... Boss! Tu te promènes avec une tête de loup sur la tête. Ouais, mais je l'ai tué en légitime défense. Non, mais moi, je la tue même pas. Non, j'ai dit que c'est super bon. J'ai dit que c'est super bon, sauf que c'est les moutons, c'est pas les chèvres. Splat for president. Hey! Fait que c'est cela. Mais là, t'amènes d'autres peaux roses. Ouais, ouais. Mais à la grosseur Q, là. Ouais, c'est quasiment une goliath. Il est peau blanche parce qu'il fait fret autour de lui. Puis t'as 6 autres personnes aussi qui sont là. Ah, mais ils sont pas importants, eux autres. Oh, oui. Ils sont tous aussi importants. Oui.
Ils ont besoin d'être protégés, s'il vous plaît, plate. Comment ça, s'il vous plaît, plate? Comment ça, s'il vous plaît, plate? On s'en va, c'est lui qui va encore. C'est moi qui décide pareil, c'est mon village! Hey, s'il vous plaît, Squeak. C'est toi qui reste? Squeak. Ça me dérange pas, tu peux rester, nous, on va y aller. Squeak. Dragomir. Prends ta place, femelle! Oh! Là, t'as Dragomir qui. Hey! Il faut que je fasse mon autorité avec mon village. Tu t'adresses à Lady Flair Homme. À un moment donné, mais qu'elle soit, là. Un nom à oublier pour tout le monde. Ouais. Fait comme s'il était pour te dire quelqu'un. Je regarde autour, là. Ah, j'avoue, les autres qu'on a sauvés, ils ont Ils ont l'air mal au courant, mais. Royal. Ouais. Ils ont fait le test de la bague. Mm-hmm. Tu veux-tu le faire au gobelin? Ça va être pas mal neutre. Splat, ça va être bleu. Très loyal. Je sais pas à qui encore, mais je suis loyal. Ok. Mais là, tu veux qu'on les protège? Ouais. Pourquoi qu'on les protège? En fait, ils sont. Est-ce que en fait, l'expédie, c'est pas de la protection, c'est plus un safe haven que personne. Ben, c'est comme parler à des enfants. Ok, c'est pas de la protection, c'est un safe haven que je comprends pas le mot. Mais non plus. Finalement, regarde, ils sont ici pour être cachés. D'accord? On ne doit pas parler de ces personnes. Pas aux villageois, pas à personne. On ben, au Goliath, c'est correct, là. Mais puis, de toute façon, je suis sûr et certain que Monsieur Dragomir, va se rappeler, hein? Que M. Dragomir, là, il va vous donner des bons cours comment se battre. Oui. OK? Si ça l'intéresse. Pas à toi, là. Toi, ah ouais, alterne les voix, là, let's go. Je vais voir ce que je peux faire. Ouais, c'est ça, tu verras. Bon! Tout de chasseur. Moi, le monde qui s'estime avec eux autres mêmes, là, j'aime pas ça. Et pas de le boss! Oh, t'es bien placé de parler, toi, hein? Ceux qui comprennent pas, ben allez voir notre... Notre page Facebook! Vous allez voir que, ouais. Il y en a qui aiment ça, c'est ça. Tout seul. Et on parle pas du DM, là. Bon! Et que, je te l'ai dit, c'est ça. Les amis, ils vont être là, mais ils vont être des... Ah oui! Boss! On a 8 gobelins enceintes! 8 gobelins? Ouais, c'est ça. C'est pas vrai, ça? Ça sent bien, ça sent bien. Il y en a combien qui sont à moi? Aucune idée. Une bonne décision. La remise, c'est une super bonne idée! La confiserie avec les bordels au caramel, ça marche avec les goliaths, le Yimsu! Et l'alcool, ça donnait quoi? Ils boivent pas! Ils ont tout resté ici! Des barbares! Hey, bon. C'est-tu dommage? Je pense que je vais être obligé de remplir mes gourdes de vin qui se sont vidées ces derniers jours. Des barbares qui boivent pas! Hey, on a même pas rempli à l'auberge. Oui, je l'avais rempli. Ben là, j'avais rempli à l'autre auberge, j'avais payé, il était déjà plein. Mais oui, ils disparaissent, ça va vous faire argenter. Il n'y aura pas d'autres. Il a compris sa leçon. En espérant que tout le monde soit capable de s'entendre le temps qu'il faut. Ça devrait, on n'est pas difficile. Non. Je laisse un petit mot discret à Dragomir de juste comme s'assurer que personne ne s'entretient. Ben, si Joe a survécu, je sais pas. Ça fait quand même. Joe, il est rendu avec genre 3 assistants gobelins. Quand même 7 jours que ça roule, là, ce petit chalet-là, ce petit... Business is on the way! Non, mais je parlais avec les humains qui essayent pas de comme tuer les humains. Business is on the way! Parce que c'est pas pareil, t'es là pour les aider, tu sais, mais là, c'est comme des réfugiés, c'est pas pareil. Ouais, mais les réfugiés, c'est tous des soldats, fait qu'au bout de la ligne... Ils vont faire leur tour de garde. Je me sens déjà mieux le fait qu'il y ait des soldats qui vont aider à monter. Oh. Des gobelins, c'est capable de faire des soldats. À moins que Dragon. J'imagine! Avec des arcs et des cimetières. Ça nous prendrait un forgeron pour faire des arcs. Un forgeron? Ah! Le monsieur qui fait du militaire. Ben là, on a Joe qui fait des fers. Ça nous prendrait quelqu'un pour nous apprendre à faire des armes. C'est ta job, ça. Boss! Moi, je suis toujours pris ici! Ouais, il est pas passé, je viens d'arriver là. Ben, peut-être qu'il y en a un de la gang qui sait le faire, qu'on a ramené. Là.
Ouais, un peu, mais c'est pas un forgeron professionnel. Non, mais c'est pour aider des petits gobelins. Des mini-épées, ça prend un forgeron. Bon forgeron. Si ton épée est pas bien faite, c'est quand même qu'un mini, ça fait clic-tic-tong. Whoops! Joe, as-tu un forgeron dans ton village? Non, pas pour faire ce que vous voulez faire. Est-ce que Joe parle à Artemis? Il le regarde de loin, tu sais, il fait comme des looks de côté. Il a pas l'air de trop savoir comment gager. Hein. Puis Artemis fait l'indifférent. Fait que c'est... Moi, je regarde ça, puis. Bref, c'est quoi, c'est plus vers la fin de la journée? Ou... De là, oui. Je pense que je vais aller à mes quartiers pour essayer de m'aller porter mon cheval. Je vais aller. Ouais, mais. J'avais pas une maison pour tout le monde. On va en construire! Mais là, on a comme agrandi un peu avec les Goliaths qui viennent dormir. Puis là, ils nous ont montré à prendre du bois. Et au lieu de faire juste des tentes, on commençait à faire comme une structure. Comme des maisons? Oui. Tu te souviens de chariot? Ouais. Imagine-toi sans maison. C'est déjà mieux. Ça doit déjà être mieux qu'une pompe. On a juste une! Ok. Je te remets pas là-dedans, si. Non, il était tout pour tout ça. Wow. Il nous reste un peu de choses à apprendre, là, mais ça sent bien. Ça sent bien. C'est bon. Ben là, en quelques jours, moi, je trouve que c'est exceptionnel, là, oui. Un carcari ne s'est pas construit en un jour. Quoi? Un carcari. C'est quoi, ça? C'est quoi, carcari? On avait entendu. Ouais, oui. Tout le monde! Oui, c'est pour ça que j'ai envoyé ça. Tout le monde connaît la légende des carcari. C'est non. Quoi, la... Non, c'est quoi? Pourtant, je suis du monde. OK. Ben, ça dépend. C'est drôle, il m'a pas demandé chiqui, hein. Dans... Sur... Il y a pas juste six coffres, ici. Il y a d'autres endroits. Hein? D'autres continents? C'est ça le mot que je cherchais, un continent. Beau, oui. Puis il y a un continent à l'est. Oui, à l'est. Qui est beaucoup plus gros. Puis il y avait un empire qui existait là. Je connais pas le nom de l'Empire. Mais l'Empire avait réussi à tout rassembler les peuples puis être comme tout le continent, c'était l'Empire. Puis pour protéger l'Empire, il y avait un puissant magicien qui s'appelait Magus qui a créé 7 boules. Selon la légende, ils sont grosses comme ça. Chacune de ces boules incarne un pouvoir primaire. Il y a une boule de feu, une boule d'eau, une boule de terre, une boule d'air, une boule de vie, de positivisme, une boule de négativisme, et la boule de métal. Peux-tu juste le répéter pour l'auditoire qui n'a pas pris note? Ouais, c'est ça. T'as les quatre éléments. Donc, terre, air, eau, feu. Terre, positif. T'as la boule blanche qui est le positif, la boule noire qui est le négatif, puis la boule de métal. Positif. Négatif. Un petit peu trop intelligent, toi. Mais non! Regarde! Il sort un jour. T'as un livre, c'est marqué Carcari. C'est ça. Et donc, ces boules-là donnent des pouvoirs quasi divins assez importants. Et finalement, l'empereur a été assassiné, les boules se sont éparpillées, tout le monde se massacrait pour trouver, pour avoir les 7 boules. Il y avait des porteurs de boules qui en attaquaient d'autres. Puis, toutes les boules ont disparu. Puis, il y a juste un, selon la légende, toujours. Une personne qui aurait survécu avec sa boule encore aujourd'hui. Il l'appelle le Marcheur Noir. Le? Marcheur Noir. Je m'abandonne. Quoi? Mais. Ok, mais j'ai pas fini l'histoire. Le Marcheur Noir, c'était un général qui servait l'empereur. Fait que ça a plus rapport avec ce qu'il a dit. Puis qu'il aurait survécu. Puis c'est lui qui aurait assassiné l'empereur.
pourrais-tu être Caradon? Peut-être un dragon démonique. Il dit que c'est un humain. Un dragon peut se transformer en humain s'il veut faire un shape change. Mais c'est un dragon démon? Non, mais c'est quoi que Raziel a dit? Lui, il aurait une boule. Le marchand noir, oui. Mais juste vous dire que Raziel a dit que le dragon cherchait une boule, pas qu'il en avait une. Il a cherchait une boule, il cherchait une quête. Il cherchait, et puis de s'informer c'était quoi un carcari. Fait que les carcari, c'est les boules. Il n'y a pas une silhouette de femme, je sais pas trop. Non, ça c'est une autre affaire. Un carcari. La silhouette de femme, c'est elle qui reprend le contrôle de la ville. Peut-être. Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein Gisèle. Gisèle. C'est ça le fun des prophéties, tu peux l'interpréter de plein de façons. Tu peux les modifier à ta guise. Yep. Y avait-tu d'autres choses dans ton livre sur les autres 6 boules? À part qu'ils ont été perdus. Je veux dire, la boule rouge, c'était Magus lui-même qui l'avait. Puis, Magus, c'était pas quelqu'un, selon la légende, qui était gentil. Je peux prêter le livre. Mais, il s'est pris contre quelqu'un qui avait une épée dorée. Oui. près du... comment il appelait ça? Le désert de Zenoth. Oui, exactement. Puis l'épée a fendu le Carcari. C'est ça qui a créé la grosse explosion. Oui. Oui. Wow. Donc, c'est quoi le désert de Zenoth? Ben, j'en avais parlé. C'est l'ancien... Un des champions de Raziel. Oui, l'ancien champion de Raziel. Il a viré du mauvais côté. Non, selon la légende que tu avais lue, il avait viré du mauvais côté. Mais là, ça vient de changer. S'il a détruit une des boules de Magus, peut-être pour essayer de changer le cours de l'histoire. C'était pas nécessairement du mauvais côté. C'était peut-être pas nécessairement une mauvaise chose. Ce qui remet l'académie que j'ai connue complètement en question. Donc, mais c'est si ça, j'avais lu ça à... Si tu frappes ta boule avec ton épée, attends que je sois loin. C'est ça que t'avais dit. On a une idée. Ça avec quelle boule le marchand serait capable de les briser avec ça? C'est la noire! Les explosions, c'est supportable. Négatif? Ouais. C'était le plus grand ami de l'empereur. Je vais vous prêter le livre! Oui, ouais. Je commence à me demander si ta vengeance va pas amener quelque chose de funèbre, par exemple. Ben non, s'il y a pas. Si on se venge avant qu'il y ait la boule, correct? Ah, c'est moi qui vais m'en dire. Ben, c'est ce que je frappe la boule peut-être pour en deux. Parce qu'à date, on sait que l'épée de Raziel est en toi, peut détruire ce que le dragon noir cherche. Ah, mais on prend la boule, puis on la garde pour nous. On n'a pas besoin de la détruire. Écoutez là, j'en lis plein de livres, plein d'affaires, puis il faut toujours fier à ce qu'il dit. Hein? Des fois, les auteurs ça, mais... écrivent des choses. Vous le savez pas? Peut-être que le champion de whatever, là, a survécu. Effectivement. Mais j'ai dit, ça se peut. C'est pour ça que il n'y a pas de nom dans le livre. Ils disent que... Sinon, ben. Ils disent que c'était un des champions de. Ben, moi, tu vas manquer, Zesmé. Méchant boss. J'ai dit qu'elle allait me manquer! Non, mais là, c'était sincère! Ouf! Pas sûr! Même moi, je t'aimerais pas! J'ai moins 4 en headset, tu sais! Ah ouais, roule-le dans le headset! C'est ça que je disais! 1 moins 4, ça fait moins 3, puis je le crée pas! Wow! Ouch! Bref! C'est n'importe quoi! T'as-tu d'autres livres de même? J'en ai plein! Je pense qu'on va checker ta bibliothèque, je suis des choses qui m'intéressent. N'importe quoi! Tiens, ça c'est le Kama Sutra! Je vais prendre celui-là. Est-ce que Joe le voit? Non, Joe est occupé avec les chevaux. Ah, ça aurait été trop. Même pas d'image. Oui, il y en a plein. Il y a plein de photos. Non, moi je vais prendre ton livre sur les arbalétiers, c'est ce genre. J'ai un livre sur les arbalétiers? Mm-hmm. Ah, j'ai ça. T'as un petit l'autre. J'ai un livre sur. Ah oui! Mais c'est trois livres. Il y avait un de l'Académie des Rois, peut-être que moi je vais le lire celui-là. Bon. Bienvenue à la bibliothèque chez Splat! Un temps qu'à faire, mais ils sont là. Viens entrer choisir un livre!
Ça va faire une pièce d'argent. C'est quand même assez long comme voyage, fait que moi je suis un coup. Écoute, je te la donne. Ok. Tu t'en vas te coucher. Puis t'entends des bruits de pas qui te suivent. Là, tu rentres dans ta tente. T'entends quelqu'un qui s'assit au pied de ta tente. T'entends un gros marteau faire POUM! Fais ton agace! T'sais, tiens, Flair, là, ça marche dans les deux. Super subtil, tu rentres dans ton tiens! T'sais, Flair, là, ça marche dans les deux sens, hein. Tu pointes, tu dis viens, ça marche dans les deux sens, là. C'est pas obligé d'être le gars qui le fait, là. La fille, elle peut le faire aussi, là. T'sais, est-ce que tu dis ça? Le capitaine est à côté! Ouais, ouais, ça marche dans les deux sens, là. Ok, c'est quoi? Après une couple de minutes, j'ai dit qu'il peut au moins comme, tu sais, s'installer comme à l'abri, là. Mais genre, pas avec moi. Je suis correct où je suis, Dame Fleur. Merci. Ok. Tu vas avoir des soldats. Je vais dire, je suis content de nous avoir avec nous autres. Je vois le lieutenant, surtout le sergent, excusez. Ouais. Merci, monsieur Cassius. Je dis. J'ai pas une hutte de malade dans la tête, mais vous avez déjà dormi sur pire. Je vous invite dans ma demeure. Je vais rester au premier de la tour d'observation avec mes hommes. Je peux vous reposer. Je vais faire des tours de garde. C'est genre... les gobelins vont. La tour. Les goliards vont s'en occuper. Bref. Les gobelins. Attends un peu, on reprend. Les goliards. Ça a commencé pareil, mais. Dis-moi jusqu'à temps qu'on reprenne le service. T'es en train de parler au Goliath? Moi je parle au. Au sergent Dupré. Ah, Dupré pis ses hommes. Oui. Ils sont loyaux. Excuse. Bon, parce que les Goliaths, eux autres, font des tours de garde pis ils checkent leurs affaires. C'est les gobelins, ça. Bon, il y en a une couple qui ont commencé à le faire. Les Goliaths sont-ils armés? Ouais. De quoi, comment? Des lances, des haches, des arcs. Ils sont équipés. Y'a-tu un des Goliaths qui est proche, qui est là, pis je mange jardin? Oui, il y en a une couple. Je vais dire, vous, vos armes, vous les faites tout. On les change. En échange? On les échange avec un village plus au nord, à flanc de montagne, près des mines des nains. Oh! C'est pas le nom du village. Faudrait que je check la map, mais je pense que c'est... Non, si je vois, c'est le village forestier dans son coin. On va l'appeler Neville! Non, c'est pas Neville. Neville. Méchant Squeak avec ses idées. Squeak Force. Ça sera pas long, on va le trouver. Oublie ça, Squeak Force, je l'ai dit, c'est les héros de. Héros de Fontaine. Ouais, les héros de Fontaine. Ah, mais. Tu sais. Ils seront pas coureuses, elles, ces deux filles-là, de s'appeler les héros de Les Fontaines. Parce que sinon, ça va être des femmes fontaines. Je savais que t'étais venu me la sortir. Hostie. Et... PG-13. Bon, ok. PG-18 maintenant. On atteint un nouveau niveau. Enfin, on a atteint la maturité. Ben oui. Ouais, ça mais fait là. On a déjà un épisode. Pour un point de fête. On a rendu légal en Ontario. Hey, ça, c'est bientôt ça. Bientôt, on va être légal par exemple. Et voilà. Ah, il y avait juste à arrêter la game une demi-heure plus tôt, je l'aurais pas fait. C'est le village de Caligo. Caligo. À flanc des pics d'acier. Là, c'est un Goliath, pas un gobelin. Je m'excuse pour la voix. Mais le gobelin, il a juste spécifié. Ouais, c'est ça. C'est ça, là, Sam! Merveilleux. Ouais, possibilité, c'est à combien de temps ici? Quelques jours de marche. Et voilà. On va se trouver un forgeron. Mais en plus. Si tu te souviens de ce que le père de Cassius t'avait dit, c'est là qu'il avait rencontré le Tiefling. Ok. Caillou. Et sur ça, je vais laisser mon groupe aller se reposer. Mm-hmm. Il commence à être tard.
puis là, on finit sur une note un petit peu plus... moins capotante. Moins capotante, fait qu'ils vont me lâcher tranquille cette semaine. Mais n'empêche que dans ma tente, je vois-tu... Quoi? Dans ma tente, je vois-tu ce que... Il y a un lit de fleurs. Ça restait intact? Il l'a resté. Non, c'est qu'il le faisait à tous les jours. Oh! Le rêve de toutes les femmes. Moi, je le vois dessus, ça. Oui. Je pense... Je te donne des petites tapes dans le dos, c'est bonne soirée. Tape ses fesses. Je cherche de whisky avant d'y aller. Va chercher le livre de Kamasutra. Va chercher le livre de Kamasutra pour lui donner. Tu penses qu'il n'y en a pas besoin? Là, on a fait un test comme je l'ai fait souvent. Boring. Moi, c'est le fun, celle-là. Donc, pendant que. Avec notre lit de fleurs, on va savoir ce qui s'est passé avec Artemis la semaine prochaine. Donc, on va laisser la semaine pour mûrir s'il joue à sa farouche encore ou pas. N'oubliez pas de mettre des likes, guys, si vous avez aimé l'épisode. Ben oui. Fait qu'ils vont tous liker. Ouais. On lit tous vos commentaires. Pas les 10 000. Ok, wow. C'est beau. Comme il n'y en a pas 10 000, tu veux que le dragon arrive dessus? Ben oui. Sur ce, à la semaine prochaine. Bye! Bye. Bye.